Allez, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Huipa, et aujourd'hui, nous allons donc jouer à Pokémon, bien sûr, on va reprendre notre petite aventure du Nuzlocke Pokémon, en effectivement ce mercredi 5 avril, hein, bien sûr, évidemment, oui, tout à fait, ouais. Ouais, non, prise 2, hein, deuxième prise, effectivement, second take, on va dire. On va dire, il y a eu un petit loupé technique hein, hier. Oui, bon, d'accord. Voilà. Je m'en excuse encore, effectivement. On n'en fait pas de troisième, non, c'est bon, ce coup-ci, c'est sûr. Ouais, vous inquiétez pas, je vais pas vous abandonner en plein milieu comme hier, lâchement. Mais ouais, non, pas très fut-fut le streamer, effectivement, sur ce coup-là. Nouvelle speedrun sub 25, let's go. Aïe, aïe, aïe. Aïe, bref, alors attendez, du coup, y a qui là? Y a bonsoir Luna Despart, Dr. Chips Astréon, Kilga, hello, hello, et Zanza, bien sûr, hello, hello, j'espère que vous allez tous bien, du coup. Donc, ouais, hier, voilà, que je revienne un peu dessus. Simplement, non, vous savez, normalement, moi, je stream pas le jeudi, parce que j'ai mon groupe avec qui je joue le jeudi. D'ailleurs, on joue à Danganronpa dans en ce moment, Danganronpa 2, on est à l'enquête, enfin, non, au procès du chapitre 4, d'ailleurs. Donc on est juste un tout petit peu devant au niveau du stream. Salut Vegeta, hello, j'espère que ça va bien. Ouais, je viens briser la boucle temporelle, let's go. Ça y est, on est libre. Ouais, donc normalement j'ai mon groupe du jeudi avec qui je joue. Sauf que bah aujourd'hui ils étaient pas dispo, donc on avait dit. C'est même moi qui avais écrit dans le chat de notre Discord, j'avais écrit prochaine session mercredi 5. Sauf que bah, ça, je l'ai écrit la semaine dernière. Du coup, moi, cette semaine, quand je suis arrivé le moment de faire le planning, j'avais complètement oublié cette petite information. De merde, hein, tranquille, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai fait le planning et j'ai dit que je streamais le mercredi comme d'habitude. Du coup, bah, juste, alors qu'en fait, on avait dit que j'ai changé les deux jours. Tout simplement, voilà. Un job à souvenir, il n'a pas réussi à le faire. Il est beau, votre streamer, hein, évidemment. Voilà. Salut Salamou et Loulou, j'espère que ça va bien. Donc, du coup. Voilà, on a refait, on n'a rien vu, il s'est rien passé, de toute façon j'ai pas mis la VOD sur YouTube, donc tout va bien, on n'a rien vu, il s'est rien passé. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons jouer à Pokémon Noir 2 pour notre randomisé, merci beaucoup Salamou pour le Seikyo 4e mois de sub. Écoute, ça va très bien, voilà. Boulot un peu crevant aujourd'hui, mais is ok, pas de soucis. Voilà. Ah! C'est laquelle ça, Auriga? C'est quoi ça, Auriga? Je sais que ça encore, Auriga. Qu'est-ce que tu m'as mis? Inner Inverse? Ah, ok, Ghost in the Shell Standalone Complex, Inner Inverse. Bon, bah écoute, à valider, hein, j'ai pas le choix apparemment. Très bien, bah écoutez, c'est validé pour le karaoké. Donc effectivement, ça me permet de rappeler, merci beaucoup, que la playlist pour le karaoké de fin avril est toujours ouverte. On est actuellement à 46 karaokés. D'ailleurs, attendez, je crois qu'il faut que j'en rajoute un, parce qu'il y en a un que je voulais chanter absolument, mais je ne sais plus si j'ai déjà fait. Attendez, 30 secondes que je vérifie, parce que j'ai un Excel pour ça, hein, pour me rappeler ce que j'ai chanté ou pas. Mais il me semble que... Je ne l'ai pas chanté tout à fait, donc je vais rajouter ça tout de suite. Un peu de VTuber, hein, un peu plus, un peu moins, on est plus après. De toute façon, là, ce sera une session quasiment dédiée VTuber, hein, vu les suggestions que j'ai reçues et ce que j'ai validé. Hein. C'est à peu près évident. Alors, allez où? Tac, tac, tac. Alors maintenant, il faut que je la retrouve. Par contre, ça va être le. Ça va être le fun. Alors, j'imagine que c'est point, point. Voilà. Tokoyami Towa UFO You Feel Overjoyed. Voilà. Ça, c'est ajouté parce que je voulais absolument la chanter la dernière fois, sauf que je la connaissais pas encore bien. Donc maintenant, c'est bon, je la mets. Voilà, c'est validé. Et on fera ça également. Donc en 47 chansons, du coup, dans le karaoké, ça fait à peu près 2h21. Plus les pauses, on va peut-être, je pense, arriver à quelque chose comme 2h40. C'est pas assez. Vous pouvez continuer à bourrer, bien sûr. Parce que, eh bien, on part pour 3 heures généralement les karaokés, donc c'est cool. Voilà. Il va faire un. Attends, what? Il va faire un 8 palis, 8 palins comme dans Merlin en mode j'avais oublié, mais en fait je spawn. J'ai pas la blague. J'ai loupé tout le stream, j'ai vu, il y a eu des dingueries dans mon bord. Oui, alors du coup, comme il n'y a pas eu.
de VOD sur YouTube du stream du stream d'un quart d'heure d'hier, du coup. On va faire un petit résumé. Sachant que. Sachant que du coup, il y a quand même eu des nouveautés par rapport à hier. Parce qu'entre-temps, vu que ma session de Danganronpa pas, c'est fini plus tôt, j'ai quand même repris un tout petit peu de farm. Tous les Pokémon de mon équipe sont niveau 43. Même Fion. Même Fion. 43. Alors, je l'ai jamais lancé. Si, je l'ai lancé une fois au combat. Il a tenté un rayon chargé. Ça a fait 2% de dégâts. J'étais en mode, ok, bon, toi, tu dégages. Tu dégages, c'est bon, ça sert à rien. Mais voilà, ils sont tous niveau 43, donc ça, c'est cool. Mais ouais, on va faire un petit résumé juste avant, effectivement. Donc du coup, ouais, donc effectivement, ce que je voulais dire, plusieurs ce que je voulais dire. Donc, le karaoké ouvert, ça c'est bon, vous pouvez participer bien sûr avec la commande karaoké. Deux, il y a la bannière Moriarty qui a été annoncée officiellement, ça y est, qui est même en cours déjà actuellement. Et oh, Despart, hello. Il se passe un truc hier? Non, non, rien du tout, t'as rien raté. Deuxième truc, ouais, donc la bannière Moriarty sur FGO est actuellement en cours et durera jusqu'au 20, je crois que j'avais dit. Attends, je sais plus. FGO Timer, il est où? Il est là. Tac, 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 la bannière elle durera jusqu'au 21, c'est ça, ok. Il me fait me dire d'ailleurs qu'à mon avis, le prochain event, hein, Idle Grail, et ma Idle Live, il commencera le 21. Enfin bref, moi je dis ça, j'ai rien. Bref, du coup, la question se pose de quand c'est que je pull. Parce que j'avais dit que j'essaierais de pull, faire un petit pack, voire deux si je suis chaud, sur Moriarty. Donc la question c'est. Attendez, le 21, ça tombe quand? Ça tombe vendredi dans 2 semaines. Ok. Bon, on a le temps. Je verrai peut-être ça lundi soir. Mais à voir si j'ai le temps. Je sais pas. Si j'ai des trucs à préparer pour le professionnellement pour la semaine prochaine. Du coup, et comme je suis pas là ce week-end, le lundi, je vais peut-être l'utiliser pour ça. Donc à voir. En tout cas, d'ici la fin de cet event, il y aura un stream où j'irai pull Moriarty, ou en tout cas j'essaierai, en revêtant ce cosplay ici. Voilà, parce que j'ai reçu mon cosplay, du coup, effectivement, de Sherlock Holmes. Et il est là un peu en morceaux, hein. Il y en a un autre morceau là-bas, il y a des accessoires là-bas, enfin bref, il est un peu éparpillé partout, mais il est arrivé. Et donc, en bon catalyseur que ce serait, j'ai envie de dire que Sherlock Holmes s'appelle Moriarty, ce serait beau. Donc du coup, on essaiera de. J'essaierai de mettre ça, de faire ça. Donc, ça peut être soit demain soir si je suis chaud, mais ça m'étonnerait, soit lundi soir, soit n'importe quel autre stream pendant les 2 prochaines semaines. À un moment donné, pouf, ça arrive, on commence direct avec moi qui arrive en cosplay pour pull Moriarty. Voilà. Je sais pas quand, mais ça se fera. Voilà. Et ouais, donc voilà. Donc sachez-le, ça va arriver. Voilà. Ok, quoi d'autre? Du coup, est-ce que j'ai autre chose à annoncer ou pas? Le pull en cosplay Sherlock Holmes, tout à fait, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Pour le catalyseur parfait. Ça me réussit tellement bien les catalyseurs. Bon, sauf sur Lelouch, mais ça, on n'en parlera pas. Mais enfin, si, Lelouch, ça a très bien marché sur le gacha Code Geass. Sur le gacha game Code Geass. Parce que j'ai eu Lelouch instant, du coup. Par contre, Kishi Wong en cosplay Lelouch, ça n'a pas marché, ça. Ça n'a pas marché. Mais non, non. Généralement, les pulls cosplay, ça marche plutôt bien. Donc, du coup, là, je mets toutes mes chances de mon côté. Moriarty, ça part. Avec le cosplay Sherlock. Qu'est-ce que sinon non bah c'est non c'est tout. En parlant de VTuber, j'ai acheté mon ticket pour le concert HoloLive IN du 2 juillet. Sauf que enfin du 3 juillet à 3h du mat, je ne vais pas le diffuser à 3h du mat un lundi, c'est mort. Donc j'aurai le replay, on pourra le regarder plus tard à un horaire plus convenable. Mais voilà, on se fera un peu comme ce qu'on a fait sur les concerts HoloLive de cette année. Voilà. Et enfin, évidemment, n'oubliez pas dimanche. Évidemment, n'oubliez pas dimanche le tournoi Smash Bros de la commu co-casté par les gens sur Discord, bien sûr, streamé dimanche soir, dans lequel moi je vais sortir le jeu pour la première fois depuis 6 mois et je vais me faire nucléariser tour 1. Mais c'est pas grave, ça va être rigolo. Faut encore que je fasse l'arbre des matchs d'ailleurs. Peut-être que je m'en occupe, ça peut aider. Mais je le ferai, clairement. On va faire un effort quand même. De quoi? De quoi? De quoi? Pour le planning, bon. Il y aura au moins une furie pour sponsor. Une furie. Ah oui, pour encourager, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Même si tu fais atomiser tour 1, tu pourras jouer le tour 2, c'est vrai, c'est un match en double élimination, effectivement. Mais bon, je me ferai atomiser tour 1 et tour 2, donc comme quoi, bon, après je passerai mon temps à commenter, ça va être rigolo. Voilà. Je pense qu'on est. On peut y aller. Je n'ai plus rien à dire de mon côté, donc let's go. Alors, le jeu, est-ce qu'on voit le jeu? Oui. Est-ce que Spotify peut se calmer, s'il vous plaît? Voilà. Non, mais il y a déjà des sites qui permettent de générer un arbre de combat exprès, notamment pour Smash Bros. Et tout, donc bon. Il y a ce qu'il faut. Faut juste que je le fasse, comme d'habitude. C'est tout. Voilà. Bref. Mesdames et messieurs, du coup, Pokémon, Nuzlocke, Random, prise 2. Voilà. Alors, petit rappel des faits. Donc, nous avons dans notre équipe, donc comme j'ai dit tout à l'heure, une équipe full niveau 43. Et ça fait plaisir, clairement. On commence du coup avec Carmilla, la Nosferalto, qui du coup a des stats plutôt équilibrées, un peu de défense, mais voilà. C'est pas le meilleur perso de l'équipe, clairement, loin de là. Mais avoir un Pokémon vol, ça peut aider sur pas mal de situations, donc c'est quand même plutôt cool. Et puis avoir vol aussi, tout simplement, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, actuellement avec le Grolozen pour qu'elle essaie de gagner un peu d'amitié envers moi, pour qu'elle puisse évoluer assez vite. Voilà. Ensuite, nous avons du coup Gawain, le bras d'Égalie, qui du coup a une méga stat d'attaque, a plein de PV, mais je pense être un poil faible, bah déjà en vitesse clairement, et potentiellement en défense aussi, faut voir. Et je pense qu'il va tomber assez vite. Enfin, il peut tomber assez vite. Ah merde, là d'ailleurs, en parlant de ça, prédiction, excusez-moi, prédiction. Oui, d'ailleurs, prédiction, je vous inquiétez pas, je vous ai bien rendu vos points hier, hein, y a pas de souci. Du coup, on va la relancer telle quelle. Quand c'est une prédiction, quand c'est une prédiction, au moins 2 morts d'ici à la fin du stream en 15 minutes, voilà. C'est lancé. Donc ouais, Brazegali, le pilier de l'équipe actuellement, mais bon, sait-on jamais, tout peut encore se retourner aujourd'hui, bien sûr. Bonne stat def, son attaque speak est mauvaise, ça tombe bien, il n'en a pas besoin. Ça tombe bien, il n'en a pas besoin. Non, en défense, ça va. Franchement, en défense, ça peut aller. Il a beaucoup de PV pour tanker, ça c'est cool. Mais bon, on se souvient de Mahonobu, hein, il avait beaucoup de PV aussi, une défense pas trop dégueu, et on voit comment ça finit. Donc, maintenant, je fais gaffe quand je dis ça. Hein. Donc voilà, et par contre, des bonnes attaques, mine de rien, toujours utile. Ensuite, Bibidan, une des dernières additions à notre roster, et franchement, je pense le futur pilier de l'équipe, parce que clairement très 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 efficace. Bibi, du coup, full attaque électrique, et avec une petite attaque insecte pour péter la gueule au Pokémon Psy, notamment, ce qui me cassait bien les pieds aussi. Et qui a excellente stat d'attaque spé, de défense spé, et pas mal de PV, mine de rien. Donc franchement, Bibi, un bon. Bibi, ça va être vraiment pas mal, je pense. Ensuite, on a Li Shuwen, hein, le caraclet, qui, ma foi, s'en sort pas trop mal en attaque et en défense, au final. Il a pas une très très bonne défense P, ça faut faire très attention. Et surtout, il se traîne le cul de fou. Mais par contre, il fait quand même plutôt mal. Il est un peu dans la même veine que Gawain, hein, il fait plutôt mal. Mais il est un peu plus squishy que Gawain. Ensuite, on a Orion, hein, le Staros, qui lui, donc du coup, bah, lui ça change pas. Il faut que je lui trouve des attaques, des vraies. Parce que la tour rapide, c'est nul à chier. Mais pour l'instant, il a que Surf, mais son attaque SP est dégueulasse. Donc c'est pas terrible. Enfin, je trouve du coup un truc genre Aqua Jet ou un truc comme ça, une attaque haut physique, ce serait nickel. Surtout que c'est un Pokémon Psy aussi, ça, et Psy physique, complexe lui, hein. Oui, bah, il me faut les CT de points élémentaires déjà, et ça, c'est pas donné, donc je sais pas. Mais oui, c'est clairement l'objectif, hein. Il est là pour remplacer l'ancienne Kanskaya, bien sûr. Donc oui, il faut vite lui apprendre les points élémentaires, lui, mais bon, ça va. Oui, Vegeta, Mahonobu et Voyageur sont malheureusement décédés dans les sessions précédentes. C'est pas les seuls, clairement, on va refaire un tour aux côtés des morts après. Mais oui, on a perdu des gros éléments de la team, effectivement. Pourquoi? Parce que Fion. Parce qu'il y a une malédiction dans cette équipe qui s'appelle Fion, le Linéon. Parce qu'en fait, voyez-vous, dès que j'attrape un nouveau Pokémon et que je me dis, viens Fion, il faut que tu dégages de la team, tu ne sers plus à rien, va-t'en, rentre dans le PC. Il y a un mort dans mon équipe.
automatiquement. Ce qui fait que Fionn doit revenir. C'est une malédiction. Et donc Fionn, c'est un peu le pilier de l'équipe, mais en fait le pilier de barre. C'est-à-dire celui que tu ne peux pas dégager en fait. Il est toujours là, il est toujours présent. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de lui faire faire un combat hier du coup, contre un Pokémon Ou. Il a balancé un rayon chargé, il a fait genre 10% de dégâts. Je suis en mode, ok, bon d'accord, attends, tu sers à que dalle. Il a des stats pas terribles, clairement, nulle part. Il a une bonne défense plus, l'a dit, mais bon, franchement, c'est pas ouf, parce qu'il a pas de PV contre un... Enfin, c'est le membre de l'équipe qui a le moins de PV. Oui, c'est le membre de l'équipe qui a le moins de PV. Du coup, pour attraper, il a pas plus d'attaque que les autres. Il a clairement pas plus d'attaque SP que les autres. Défense, SP, elle est pas mal. Bonne vitesse, cela dit. Mais si c'est pour taper comme un rat mort, ça sert à rien. Donc voilà, clairement, Fionn, et malheureusement, je suis obligé de le garder. Donc voilà. On en est là actuellement. Mon Fionn a deux fois plus d'attaque SP, d'attaque et d'attaque... D'attaque SP que d'attaque et d'attaque SP que mon Mew. Wow. Coup ou force, ça va faire mal en vrai. Pff, à peine. En vrai, à peine. Hein, vraiment. Vous surestimez beaucoup Fionn, hein, vraiment. Donc, les morts. Alors, les morts, du coup, je rappelle. Hein, on avait du coup Nemo, le Ammonistar au tout début. Kiara, le Coquillas. Fairy Knight Gawain pour Vigoroth. Benienmal, Pijako. Kinchi Hogan, le Granipio. Kukulain, le Scorplane. Mash, le Grindur. Edison, le Luxray. Miskren, le Quanton. Voyageur, le Palkia. Kuyanskaya, le Capidextre. Babage, le Magnézone. Skara, l'Hermure. Doman, le Rafflesia. Et enfin, Maonobu, le Reshiram. Tout ça sont dead. Voilà. À un autre côté, on a encore Mev, le Pashmila, qui est encore présente. Qui, à mon avis, fait un peu ses stats, parce que je me demande si... Ah ouais, c'est une chips. Et par contre, en attaque SP, elle fait quand même plutôt mal. Mais par contre, c'est une chips, hein, clairement. Ok. Et à côté de ça, donc Mev, et à côté, nous avons bien sûr Odysseus, le Wellord. Instantanément remplacé par Staros dès qu'on l'a récupéré, parce que bon, c'est pas qu'il a des stats pourries. Mais bon, 40 d'attaque et 29 d'attaque SP. Voilà. C'est pas ouf, hein. Donc, bon. Voilà, voilà. Et donc, aujourd'hui, donc, nous devons... Déjà virer cette souris, voilà. L'hécatombe est donc arrivée. Ah oui, donc, clairement, là, les deux sessions précédentes... Les trois sessions précédentes, je crois, avec, du coup, coup sur coup... Maonobu, Babage, enfin ça. Il y en a plein qui sont tombés d'un coup là. Genre 4 ou 5 qui sont tombés assez vite les uns à la suite des autres. Et ouais, c'était un peu l'hécatombe effectivement. Mais bon, aujourd'hui est un jour nouveau. Hein, voilà. On a une équipe qui est bien levelée par rapport à la zone. Un niveau 43 là où les dressers sont niveau 42. Donc c'est pas mal. Et donc on va essayer aujourd'hui d'atteindre la 7ème arène, tout simplement. Alors, le pont du hameau, comme son nom l'indique, est un village qui se trouve sur un pont. Voilà, on dirait ce qu'on voudra, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Je les aime bien, moi, les vieux musiciens du pont du hameau. Ok, je t'ai demandé, mais ok. Alors, route 11, on est d'accord, nous avons attrapé... C'est la première fois qu'on arrive ici, donc on n'a attrapé personne. Oh, un éleveur, super. Je veux dire donc, nouvelle zone, nouveau Pokémon, bien évidemment. Alors, l'éleveur. Je suis fier de ces Pokémon que j'ai élevés avec amour. Les filles au cas où, on checkera. Mais bon, au pire, en vrai. Dans un Kikli, ça tombe bien. J'ai le Pokémon parfait pour ça. Voilà, hop, hop, hop. Allez, Carmilla, t'en as fait plein l'entraînement parce que la zone juste avant, il y avait plein de Kikli. Voilà. Quoi? Bah, et l'autre là, vas-y, acrobatie. Bah. Voilà. Ça dégage, nickel. Et ensuite un Manzai. Alors Manzai, je crois que c'est un... Alors, je sais que Simularbre, c'est un roche. Mais Manzai, c'est déjà un roche aussi ou c'est un plante? Je sais plus si c'est tout de suite un piège ou si c'est dès le début... Enfin, ou si c'est un roche aussi. Ok, on est bien d'accord.
Roche, du coup, ça veut dire Lichwen. Le combat! Normalement, ça pète la roche. Staros aurait pu faire le taf aussi, mais bon, balayette. Buda! Voilà. Mes sentiments m'ont perdu, t'es vraiment incroyable! Ouais, ouais, d'accord. L'éleveuse qui me donne même plus d'XP à ce niveau-là, c'est terrible. Vérifier au cas où, qu'est-ce que je peux vérifier? Oui, bah du coup, ça doit faire partie des derniers Pokémon qu'on a récupéré, donc route 14. Personne route 11, donc c'est bon, je pense qu'on est bon. On va juste aller voir là-haut, du coup. Yahoo! C'est plein de... rien du tout ici, hein. Une lettre de fan, bah super. J'adore les petits rien du tout, mais c'est pas facile à expliquer. Ok, bon! Nouvelle zone, nouveau Pokémon, mesdames et messieurs. Qui c'est qu'on attend? On va changer un peu, tiens. On va aller sur l'eau. Bon, tu sais quoi? Ah merde, ça c'est focus. Il faut cascade pour ça, c'est vrai. Donc, on va aller chercher un Pokémon sur l'eau. Et donc il s'agira de... Non! 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 Ça c'est... Non! Non! Non, ça c'est... Non! Mais non! Mais non! Mais non, bon, doublon ou pas doublon ça, non, mais ça compte comme un doublon. Attendez, c'est un doublon, ça. Non, mais non, attendez. C'est pas drôle. Skip, allez, skip, c'est bon. Allez, ça dégage. Très bien, ok. J'ai quoi contre les hauts? Ah oui, c'est GBB, c'est vrai. Mais si. Alors, là, attendez, enfin, un sondage. Sondage, mais attendez, non, mais c'est doublon, ça. Ça, c'est doublon. Hop, attendez, c'est alors, j'ai oublié un truc. Hop là. Voilà, c'est pas drôle. C'est pas intéressant. Sondage. Attendez, vite fait. Non, pas ça. Sondage. Doublon. Oui. Réponse oui, réponse c'est. Vous avez... allez, je vous laisse 2 minutes pour voter. Voilà. 2 minutes pour vous décider si oui ou non, c'est un doublon. Et je pense que là, on est en majorité à dire que c'est un doublon. C'est pas drôle sinon. Ouais, mais je m'en fous, on n'est pas chez Feldong ici. Mais chez moi. On fait ce qui est intéressant, on fait ce qui est rigolo. Avoir un doublon, c'est pas rigolo. C'est Orion dans sa forme de pluche. Ouais. Yes. Bien joué. Ça, pour le coup, bien joué. C'est vrai. C'est vrai. Aïe. Bon. Bon, vous êtes à 4 voix contre une pour dire que oui, c'est un doublon. Je pense qu'on peut valider. De toute façon, moi aussi je vote doublon, allez, 5 voix contre une, ouais, moi aussi je vote. Je pense qu'on veut valider, c'est bon, c'est un doublon, on le tège, et on attrape le prochain, si c'est pas un doublon, bien sûr. Ok, allez, faisons ça. Merci d'être passé, mais tu dégages, voilà. Merci. Donc, le prochain Pokémon de cette zone, je dis, ah, wait. Non, tu dotes. Ok. J'ai dit donc, le prochain Pokémon de cette zone sera. On va sur un Starry. Bon, on va aller sur les hautes herbes, hein, je crois. Je crois qu'on va aller sur les hautes herbes, j'ai l'impression. Triplon, voilà, triplon. C'est manifestement dans l'eau, il n'y a que des Starry. Allez, tu dégages. Ça tue un peu la hype, hein, du coup. Hein. Bon. On va aller là. Hein. Allez, le prochain Pokémon de cette zone, ce sera donc... Oh, Sabulette! Oh oui, trop bien! Oh, trop bien, Sabulette! Oh oui! Oh oui, mais fou! Oh, j'adore Sabulette! Qu'est-ce que je peux lui envoyer pour ne pas le tuer, du coup? Parce qu'il est niveau 36, quand même! Tous mes mecs... Imagine Fion meurt sur sa belette. Non, je déconne. Imagine quand même. Parce qu'en vrai, du coup, ça il a pas d'attaque qui peuvent le tuer. Ah mais non, mais attends, il y a tour rapide, il y a lui qui a tour rapide et ça fait aucun dégât. Ah mais il a une bonne stat d'attaque, je crois. Non mais je vais pas le tuer sur tour rapide. Non mais je vais pas le tuer sur tour rapide. Ça fait 20 dégâts tour rapide, c'est nul.
Je vais pas le tuer sur tour rapide quand même. Bah non. Bah non. Dans l'autre arbre terrible, aux deux arbres, on est mort ce soir. Non mais je vais pas le tuer sur tour rapide. En plus j'ai surf soin. Non mais tu sais quoi? C'est l'heure de briller Drogon. Voilà. Tour rapide pour le coup. Moi qui crachais sur cette attaque, je sens que elle va me sauver pour le coup. Bon, ça je m'en fous. Allez, tour rapide. Ah quand même hein. On peut en refaire une, mais pas trop critique, hein, s'il te plaît. Hein. Ok, nickel. Parfait, Pokéball, ça s'attrape tout seul, ça. Nickel. Allez, trouvez-moi un nom pour ce sablette mâle. Trouvez-moi un nom pour ce sablette mâle. Pokémon souris. Il vit dans les tunnels qu'il creuse. En cas de danger, il se roule en boule et encaisse les coups de ses prédateurs. Est-ce qu'on a un maître des souris dans FGO? Un Mouse Lord. Est-ce qu'on aurait ça? Ou alors un mec qui creuse des trous, sinon. Peut-être. Non, ouais, pas évident. Ou alors un mec mignon. Peut-être. Ah, parce qu'après, il devient épineux après, je crois. Hein. Ça me dit quelque chose, mais c'est un savant JP. À la limite, on a accepté Gawain. On a accepté Ferina de Gawain. Donc, si vraiment il y a que ça qui vient, tu peux toujours tenter. Si ça spoil pas, bien sûr. Bah, toi, du coup, comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai raconté. Ah, oui, ok, j'ai. Bon, donnez-moi une idée, là. Trouvez-moi une idée, parce que je sèche un peu sur ces sablettes. Guile? On n'avait pas encore Gilgamesh? Non, on n'avait pas, effectivement, un Pokémon mignon qui devient stylé, épineux en plus derrière, avec ses... Ouais, ouais, bah écoutez, je pense que vous avez une bonne idée. En plus, il est jaune, marche bien, il devient épineux après, voilà. Bon, non, mais franchement, allez, vas-y, partons là-dessus, hein, j'ai envie de dire. Vraiment un Pokémon goldé, celui-là. Guile. Bon, bah, il va couper, hein. Ça rentre, normalement. Ouh, ça rentre. Guile, gars, mais je suis let's go. Alors, est-ce qu'on irait pas un peu voir à quoi ressemble notre petit Gilgamesh là? Faut que je fasse Pokémon. Vol. Alors maintenant, la question c'est qui c'est qu'on enlève? Paphion du coup? Mais qui? Alors, voyons voir ça. Lui, il a un peu de retard à l'XP à rattraper du coup. Hein. Alors, notre petit Gilgamesh, Pokémon Sol, ça peut être très sympa pour le coup. Résumé, alors. Il est calme de nature, très bien. Il a aucun objet sur lui, super. Alors, augmente l'esquive dans les tempêtes de sable. En termes de stats, ça donne quoi? Il a pas de défense du tout, ce qui est étonnant pour un Pokémon Sol, mais admettons. Pokémon défense P, ok. Il est évolué niveau 22, d'accord, donc il évolue assez vite, très bien. Son attaque baisse, son attaque spéciale augmente, enfin est pas trop dégueu, défense P ça va augmenter, d'accord. Il a que d'attaque physique, bien sûr, évidemment. Daikokuten, ah bah je le connais même pas tu vois, je connais pas. Donc il possède quoi? Tourbi sable, lanceur présente lumière de tempête de sable terrifiante qui dure 4 à 5 tours, d'accord. Il a tranche, il a tunnel, ça c'est plutôt pas mal, permet de s'échapper dans le donjon. Et il a gyroball, pourquoi est-ce qu'il a ça lui? Je ne sais pas, mais admettons. Plus il est lent, plus il fait de dégâts. C'est vrai qu'il a pas une super vitesse, mais admettons. Ouais. Bon, on a une attaque sol spéciale. Ça existe, ça, ou pas? Caster SR de l'Event Learning with Manga. Ah oui, d'accord. Parce que, en fait, les persos de l'Event Learning with Manga... Ah, with Manga, j'en ai rien à secouer. Ever. Donc, pour ça que je l'ai pas retenu.
Maintenant, la grande question, c'est à la place de qui? J'ai envie de dire à la place de Li Shuwen, parce que Brazegali, il fait la même chose que Li Shuwen en mieux, en fait. Donc j'ai envie de dire, je pense que, sachant que Li Shuwen possède Piétisol, mais que Piétisol, on risque de la prendre du coup à sa blette, il y a moyen que ça fasse doublon, donc je pense qu'on va partir comme ça. Elle fait juste un truc s'il n'y a pas un mec qui a un objet qui traînerait que j'ai pas vu. Non, c'est bloqué. Ah, c'est des souris. Ah oui, c'est les souris, d'accord. Ok. I understand now. Ok. Pokémon. Donc, du coup, c'était Bibi qui avait multi-exp. Donc, objet déplacé sur Gilgamesh. Du coup, Bibi, pendant qu'on y est, elle va prendre un objet, une baie. Parce que, du coup, elle peut faire recyclage pour réutiliser une baie déjà utilisée. Donc on va dire la baie, la fameuse baie... Ah, j'ai pas de baie citrus. Eh ben la baie Kika, du coup. Ça sera la baie Kika. Voilà. Voilà. Ok, on va mettre Gilgamesh devant pour qu'il ait le bonus d'XP tout de suite. Et on est parti du coup sur la zone. Let's go. Est-ce que aussi on a pas viré Fionn? Donc, est-ce que la malédiction va encore nous frapper ou pas? Bon, déjà l'éleveur, déjà. Pour commencer. Avec du coup. Kiki et Manzai. Gilgamesh, go! Du coup, Carmilla, go. Voilà. Oh, pied voltige esquive. Hey, tiens, trancheur. Voilà, boum, ça dégage. Et le Manzai, on va changer. Du coup, on va changer pour mettre Gilgamesh, bien sûr, parce que l'objectif, c'est de le faire pexer. Ouais, j'ai presque mis moitié de niveau. On va prendre Gawain. Voilà. Kuba, ça échoue, into éclat rock. En plus, c'est un Staros aussi, je crois. Mais éclat rock, ça marche très bien. Hein. Éclat rock sur un Pokémon rocher. Je pense qu'on va pas trop se tromper. Ok, allez, maintenant on est parti pour les dresseurs et tout. Oh, mais ça veut dire qu'on va. Oh, attendez, ça veut dire que sur cette arène, on risque de choper Cascade, du coup. Pour Staros, Cascade, ça va être insane. Moi qui vous le dis, hein. Les eaux tumultueuses d'une cascade ont aguerri mon esprit. Je suis solide comme un roc. Solide comme un roc. Tiens non. Ça c'est rigolo ça. Parce que c'est ça, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, j'en parlais justement. Ambridex, d'accord. Bah lui c'est un sol il me semble. Si je dis pas de conneries, donc je pense que Staros ça peut le faire. Roche ténèbres, ah merde. Bon bah, chef. Ça marche aussi. En crit, mais ça marche. Et un sac de nœuds, bon ça c'est un plante, hein, ça je sais. Plante poison éventuellement. Mais bon, ça va se faire détruire pareil par Gawain. Mais non, ça dégage. Ouais, parfait. Nice. En reconnaissance, ta force t'offre ce cadeau. B. William. Ok. Je vais retourner à guérir mon esprit sous les eaux d'une cascade. Et en profiter pour me laver. Oui, parce que là, tu pues de la gueule, c'était. Ah. Ah d'accord. Un charpentier. Niveau 45. Ah d'accord. Ah oui, c'est le fameux jour où je me prends tous les Pokémon pétés d'un coup. Ok. C'est un quoi lui? Charpentier, jamais vu de ma vie, c'est un quoi? Enfin, je crois que si, j'ai vu ses évolutions, mais lui je l'ai pas vu. C'est un combat. Ok. Carmilla, Huron. Je sens qu'il va me casser les couilles, je sais pas pourquoi. Je vais faire vol parce que j'ai pas confiance.
Lame de roc, oh putain. Oh putain. Heureusement que cette lame de roc est pas passée, hein, clairement. Heureusement qu'elle est pas passée. Vas-y Gilgamesh, c'est ton moment. Oh, qu'il est stylé. Qu'est-ce qu'il est stylé, ce sale blaireau. Qu'est-ce qu'il est stylé, ce sale blaireau. Ok. Par contre, je vois, je viens de penser, je vais peut-être faire un petit coup de un petit coup de soin là sur les gars anti-para. J'en ai 12, autant s'en servir. Et peut-être une super pause. Une de l'eau fraîche. C'est quoi, de l'eau fraîche sur un Staros, ça lui fera les bien, voilà. Voilà. Let's go, continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Damuito. Y'a rien d'autre ici, bah écoutez, let's go, hein. Avançons. Alors, bonjour et bienvenue et votre... Merci de votre visite à Janusia. Au plaisir de vous revoir à votre retour de la route 11. Effectivement, la nouvelle ville, du coup. Ah oui, celle avec les néons au trottoir, sur les trottoirs, ouais, elle est stylée. Sponsor de Gangans, pas le bon choix, c'est vrai. Coucou, la dernière rencontre c'était à Volicité, hein. T'es à Janusia pour affronter Watson. C'est lui qui s'est occupé de moi, c'est comme un papa, mais qui serait pas de la même famille. La reine c'est par là, mais avant d'y aller tu pourrais faire un tour sur la route 9, hein. Et tu sais quoi, Watson, les Pokémon, ils l'adorent. On sent leur amour même quand ils sont dans leur Pokéball. Bon courage. Bah écoutez, on nous dit d'aller sur la route 9. Je vais aller sur la route 9 du coup, et attraper un autre truc. J'ai pu atteindre les sommets que je n'aurais jamais gravi sans l'aide de mes Pokémon. Et j'espère que ça va contribuer à les rendre plus forts. Bon, déjà, on va débloquer le son de Pokémon, ce sera fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah, je suis ébloui. Ce bleu ciel si rafraîchissant, c'est la marque des médaillés de grade débutant. Ah oui, c'est moi, j'ai des médailles. Je veux vivre pleinement le peu de temps qui me reste et dans le luxe. Et c'est bien à Janusia qu'une telle chose est possible. Je pense que deux personnes identiques peuvent avoir des vies diamétralement opposées selon le monde où elles viennent, où elles vivent. Ok, boomer. dis donc toi, là. Nous avons mis tout l'espoir qui nous... L'espoir qui nous habite dans cette mélodie afin de le transmettre aux générations futures. Super. On t'a parlé à toi? Ça vaut des bandits qui scandaient « Libérer les Pokémon !» Quelle belle brochette de menteur. Mais au moins, ça a ouvert le débat. Pourquoi les Pokémon restent-ils auprès de nous? Même si nous pouvions leur parler, j'aurais peur de leur demander. N était accompagné du Pokémon de la légende. Et si c'était le héros? Oh, le héros... Eh, je me souviens de ces deux-là. J'ai rencontré ma petite amie grâce à un combat Pokémon. On a des styles de combat différents, mais c'est justement ça qui m'inspire chez elle. Il y a des Pokémon qui évoluent en échangeant des parties d'eux-mêmes. Quels incroyables Pokémon! Je crois que moi aussi je pourrais évoluer en échangeant des idées avec quelqu'un. Oh damn. Qu'est-ce que... Je suis le plus grand fan de Tritonde du monde. Je les aime, je les admire, je les adore. Il ne me manque plus qu'un pour obtenir l'harmonie parfaite. T'aurais pas un par hasard? Montre-le-moi! Non. C'est bien dommage. Tu veux vraiment pas me montrer un et entendre le cœur des tritondes? J'ai pas de tritondes, ni arrête de me casser les couilles! Ça suffit, moi! Enfin... On s'est armé dans cette ville, au secours! Ça c'est distributeur... On s'aillera, ça c'est vide... Donc ouais, alors juste avant, on va continuer de grimper un peu, voir ce qu'il y a ici... Merde... Dans quoi je rentre? Dans quel bâtiment je rentre, là? Ancien site du manoir de combat. Oh. Bienvenue au manoir de combat, le paradis du combat rotatif. Je me casse. Jusqu'à il y a quelques années, tout du moins. Aujourd'hui, les dresseurs préfèrent pratiquer cette discipline Pokémon World Tournament du Poryo 9. Ok, bah je reste alors. La capacité copie permet d'utiliser la dernière capacité de l'adversaire pendant le combat. C'est une capacité fantastique. Mais j'aime quand même mon Megavolt, même s'il ne la connaît pas. C'est amusant de copier les gens. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me copie très bien.
Tu veux chercher cette personne avec moi? Oui. Allez, on y va. Au massacre. Et sérieux? Alors, tu crois que c'est le copieur? Oui. T'as trouvé! T'es vraiment fortiche! Tu veux rejouer? Non. Ah, tant pis. Je voudrais jamais être quelqu'un d'autre. Eh bah... Salut Sridou! Buenas noches, effectivement. J'espère que ça va bien. Je suis pas un copieur, mais c'est drôle de copier les gens. Moi, je préfère qu'on me copie plutôt que copier, c'est plus drôle. C'est pas la nuit, bah écoute, si, en fait. Et ça c'est quoi? Je cherchais la capacité spéciale fuite, mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça! J'en ai trouvé des tonnes! Alors tiens, cadeau! Les Pokémon qui tiennent une boule fumée peuvent échapper aux Pokémon sauvages à coup sûr! La quête de l'idéal, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, il y a eu ce jeune N apparemment reconnu par Zekrom. Je suis pas sûr de tout comprendre. Connaissez-vous Uiko, la personne reconnue par Reshiram, le décédé. Le feu Reshiram. Pour se frotter à la ligue, il faut déjà avoir ses 8 badges. Le niveau est tellement élevé que c'est l'objectif suprême des dresseurs. Je me pose une question sur le conseil des 4, les dresseurs de la ligue Pokémon. Je crois que c'est eux qui aiment le plus les Pokémon. Bah ouais, parce que sinon ils seraient pas aussi forts, non? Oh, c'est juste du grind, non, ouais. Bah, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste du grind, non. Donc ça, c'est l'arène, très bien. Zekrom et Reshiram sont les symboles du Nice. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont en train de transmettre leur sagesse à quelqu'un, comme le dit la légende? Non, ils sont dans le PC, ils sont décédés. Watson est le champion et le maire de Genizia. Pour ne pas perdre la main, il fait du catch avec ses Pokémon. Waouh, waouh. Rude. Quand on a tout plein de parures, on a envie de déguiser ses Pokémon. Et quand ils sont tous bien déguisés, on n'a plus qu'une envie, les faire participer à une comédie musicale. Ah, ça me rappelle les trucs, hein. T'es au courant? Il paraît qu'on t'offre des parures le jour de ton anniversaire. Merde. Putain, faut que je lance le jeu dans 2 mois. Des comédies musicales Pokémon, je suis tout fou, tout fou. Mazette, mais qu'est-ce que je vois? Tu as des parures? Alors toi aussi, tu es comme moi? Tu vois, one of my people? Tu aimes les comédies musicales? Alors dis-moi mon chou, on est plus de jolies parures? Carrément. J'ai des frissons tout partout. Quelqu'un comme moi, enfin, qui aime les comédies musicales. C'est tellement bien de déguiser ses Pokémon avec des jolies parures. Ok. Merci monsieur. Je suis le roi de la comédie musicale Pokémon, oui, oui. Reviens demain si tu veux une nouvelle parure. Dis-moi mon chou, c'est ça. Garde ça pour toi, mais je suis un ancien membre de la Team Plasma. Je trouvais ça bizarre quand même, tous ces gens qui faisaient que suivre des ordres sans se poser de questions. J'ai quitté le groupe pour trouver ce que je voulais faire par moi-même. Surtout, répète pas au type d'en face, hein. Ils pensent tout le contraire. Garde ça pour toi, mais j'étais vraiment un mauvais dresseur. Je trouve que la Team Plasma avait raison de dérober les Pokémon dresseurs. Ah, c'était pas forcément drôle pour eux, mais bon. Surtout, répète pas au type d'en face, hein. Ils pensent tout le contraire. Vous avez vu, par un truchement de la réalité, eh ben, je les ai fait se retourner dans le sens opposé l'un de l'autre, et ça, c'est bon, parce qu'ils pensent tout le contraire, et ouais. Doublage de qualité, merci, évidemment. Ici, y'a rien. Ici, y'a rien. Ici, y'a rien. Et donc ça, c'est la route 9, d'accord. Et bah écoutez, je pense qu'on va faire un petit tour sur la route 9, pour voir un peu ce qui se passe avant d'aller voir le champion. Bienvenue à Genizia, la ville du changement. Désolé, je me répète. Il y a 2 ans, je crois, un jeune homme est venu à Genizia accompagné par Zekrom, il paraît. Ah, mais c'est les... Ah, mais je reconnais, eux, c'est les... C'est pas là où il y avait les... Oh, mais je me souviens de cette zone. En bas, il y avait un OK. Et en haut, je crois que c'était les... C'est pas eux qui étaient les... Ouais, si, les... comment ils s'appellent ça? Les bandits du vendredi soir, c'est ça? Même que justement, bah, on nous avait dit hey, faites pas, ne venez pas à cet endroit le vendredi soir, il y a des bandits. Et puis on streamait le vendredi soir, du coup, bah. Et on était effectivement tombé sur les bandits. Bon, allez, ok, round 2, let's go, hein. Thunderball,
Ok, sympa. Le Pokémon de cette zone sera donc... Ça fait quand même beaucoup de dégâts, tranche, non? Mais l'attaque de Sablero... est pas énorme. Normalement, ça devrait le faire. Ok. Ouais, alors... alors, du coup, non, hein. Broa, c'est une attaque psy, je crois. Flûte. Et c'est Girobal, en vrai. Qui va attaquer avant moi, maintenant? On peut encore tanker un bois, je pense. Après ça commence, il se calme. Okay. On va se soigner. On va y aller à la tranche, hein, en fait, c'est pas mal. Antique. Non, ça va. Ah, ça y est. Ouf. Oh, s'il peut faire des attaques comme ça, ça va pas être cool. Ça va pas être cool du tout. On va se re-soigner, mais je pense que ce sera la dernière fois et qu'on va ensuite changer de Pokémon. Hypnose, ok, ça je prends. C'est bon. Pour Antique, ça va, ça gère. Ok, on va essayer de l'attraper maintenant. Avec une super boule, je dirais. Nice. Ok, trouvez-moi un surnom donc pour ce Yanma femelle. Pokémon translèle. Quoi ? La vitesse de ses ailes lui permet de voler sur place sans trop d'efforts. Donc I'm Speed, un Pokémon, un servant rapide, s'il vous plaît. Ou à base d'insectes, mais bon là... qui c'est qu'on a en servant rapide? On a Ushiwakamaru, mais je sais pas pourquoi ça me ferait mal d'appeler Ushiwakamaru un Yanma. Je sais pas pourquoi ça colle pas. Dans ma tête, ça colle pas. Ushiwakamaru a plus de classe que ça. Mais si on a qui, du coup? Voilà, un servant qui vole, sinon. Zanzang. C'est une suggestion, à défaut de mieux, ouais, why not. Alors, faut juste que je me souvienne comment ça s'écrit pour de vrai, Zanzang, parce que je crois pas que ça s'écrit comme ça, je sais plus. C'est Xiang Zang, je sais plus comment ça s'écrit. Why not, ouais. Pourquoi pas. Mayan, c'est qui ça, Mayan? Qui, Mayan? J'ai pas la ref, c'est qui Mayan? Amené. Mais c'est qui ces gens? C'est qui Mayan? C'est qui Amené? J'ai pas la ref, Luna! C'est qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais. On reste sur l'idée de nommer comme étant un servant, hein. Faut que ça reste un servant quand même, de Geo. C'est le but du let's play de tout à l'heure.
Eh bien, je sais, ça c'est des. C'est des du, oui, c'est des. Comment on s'appelle ça? Mais. Anagramme? Non. Non, pas anagramme. Si, si, c'est anagramme, je sais plus, bref. Bon, écoutez, on partage sur son dong, hein, écoutez, ça ira bien. Par contre, ça s'écrit comment exactement? FGO Zang. Zang. C'est Sanzang, voilà. Ah merde, mais pourquoi je vais faire un copier-coller? Ben non, ça marche pas sur. ça marche pas sur, sur Game Boy. Enfin, sur le DS. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. On part là-dessus. On part là-dessus. Alors, bah ça tombe bien, du coup, on a un centre Pokémon juste à côté. Donc j'aimerais bien aller voir de quoi il est capable ce petit Pokémon là. Même si. Oui, c'était pas loin, c'était pas loin. Même si je sais pas pourquoi, je pense qu'on va le laisser. Pour le coup, lui, je pense qu'on va le laisser dans la boîte pour l'instant. Dis-moi juste à quel niveau il évolue éventuellement. Voir si on peut en faire quelque chose. Alors, un Pokémon foufou de nature. Oh, nous entend, c'est bon, très astucieux. Insecte vol. Alors, donc augmente sa vitesse progressivement, c'est son passif signature. Donc sa vitesse, au pire, c'est pas très grave si elle est basse, parce que elle va augmenter au fur et à mesure. Il a une bonne attaque SP, une bonne attaque. Défense SP, c'est pas trop ça. Défense, ça va. P, ça va. Bon, ok. Il peut faire mal. Ok, il a le potentiel de faire mal. Il a quoi? Brouhaha, du coup. Bon, ça, on va l'enlever dès qu'on peut, mais c'est assez puissant. On va l'enlever, je pense. Avoir brouhaha et hypnose dans le même perso, ça me paraît bizarre, mais admettons. Poursuite. Il inflige deux fois plus de dégâts à un ennemi qui quitte le combat. D'accord. Et hop. Pouvoir antique, ok. Bah écoutez, j'ai déjà un Pokémon vol, j'ai déjà un Pokémon qui a des attaques insectes. Donc un insecte vol, qui a pas l'air oufissime. On va le garder de côté, mais pour l'instant, je pense pas que je vais essayer de le leveler pour l'instant. Donc c'est pas spécialement un Pokémon qui me parle plus que ça, donc on va le garder là. Par contre, cette souris vraiment m'énerve, hein. À chaque fois je laisse le curseur, c'est terrible. Ok, donc, c'est l'heure d'aller se péter la gueule à des gens. Les loubards du vendredi soir, mission du jeudi. Viens rejoindre notre bande, t'as pas le choix. Monsieur, s'il vous plaît, vous faites peur. Le loubard Bob. Et on voit Kirlia. C'est pas spécialement le Pokémon que j'aurais cru croiser contre un loubar. Mais admettons. Du coup, admettons. Voyez Bibi. Qui augmente du coup son attaque. Boah, c'est facile, Bibi, elle a une super défense P. Rayon signal dans la gueule. Et c'est one shot parce que Bibi est trop forte. Voilà. On veut pas de toi, tu tapes trop fort. Ah mais Bibi, c'est la vie. Quoi, tu veux passer? Va falloir y mettre les formes. Péter la gueule, tu vois, ouais. Gabriel le motard qui envoie un Victini. Pas un légendaire, ça. Pas un électrique, ça. Donc du coup, je suis censé être bien avec un Pokémon sol. Le problème, c'est qu'avec quand même pas mal de niveaux d'écart, j'ai pas envie de tenter le diable. Donc dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est... Oh, c'est Gawain, hein, dans le double Gawain, hein, ça marche bien, hein. Ouais, coup critique, incroyable. Allez, dégage. Oh! Attaque feu, lol. Moi aussi, je sais faire. Ah merde, c'est un feu, lui! Ah merde! Oh, je savais pas. Bien, je vais prendre Dance Slam. Oh, Dance Slam, c'est pas mal, ça augmente beaucoup l'attaque. Ça augmente beaucoup l'attaque. Je vais virer Gyroball parce que vraiment, c'est une attaque qui me casse les pieds. Non, quel biscotto. Ok, qui est-ce qu'on a là?
Et la vie est plus belle, le centre commercial R9. Oh, dis-moi que c'est là qu'on peut acheter des CT, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah oui, même qu'on avait, il y avait une maid qui proposait de tabasser ses clients, c'est ça l'année dernière. Je m'en souviens. Ah, c'est encore là parce que elle m'avait balancé un pyrax à la gueule d'ailleurs, je m'en souviens. Au rez-de-chaussée, on trouve toutes les potions et les repousses. Au premier étage, les CT, les lettres. Ok, on va au premier étage. Au deuxième étage, on trouve les objets qui montrent les stats de base et les objets utiles au combat. Je suis tellement fan de Monsieur Guido, le guide des arènes, que je m'entraîne à faire comme lui. J'ai pris part à un duel Pokémon au centre commercial. C'est fabuleux. Ici aussi, c'est la loi du plus fort qui règne. Ok, Darmanin. Je suis une jeune fille de bonne famille, bien décidée à prendre ma vie en main. J'aimerais faire des achats, mais n'ayant pas l'habitude, je suis perdu. Mais si je te donnais quelques argent, pourrais-tu m'acheter une hyper potion? Oui. Que le petit peuple est généreux. Voici mon précieux argent. Rappelle-toi bien, une hyper potion. J'ai déjà une hyper potion. Merci. L'émancipation par les courses, comme c'est amusant. Me voilà bien satisfaite. Ça devait être elle, je pense. Bonjour, bienvenue chez nous. Voici une carafe d'eau avec un petit combat de Pokémon en cadeau. C'était elle. Comment un Loupio? Oh putain, mais Loupio, c'est vraiment le genre de Pokémon que je déteste le plus. Je sais jamais quoi taper là-dessus. Au secours. Ben dans le doute, Bibi. Quand tu sais pas, tu joues Bibi. Voilà. Ah ouais. Tiens, bouffe. Ah. Ah ouais. Tiens, bah attends, bouffe. Non mais oh. Quoi encore. C'est un superbe combat, bravo. Bon attaque ça. Vivement ce soir, je suis si impatiente car ce soir, c'est la fête. Ça se passe ce soir? C'est la fête, oui, d'accord, mais... Quelle montagne de carton! Ils sont pleins d'appareils électriques obsolètes, c'est vraiment du gâchis. Si seulement quelqu'un pouvait en faire quelque chose. Un vieux bijou. Eh hey, mais c'est mes bijoux de famille, salut! Ici, je m'en fous d'acheter des trucs, moi c'est vraiment à l'étage du dessus, quoi. Quand je joue à cache-cache avec les Pokémon, ils me trouvent tout de suite. C'est trop injuste. Mais bon, si je me perds pour de vrai, ce serait pas pratique. Allez. Donc là, il y a toutes les balls ever. On a des rapid balls ou pas? Je vous en prends 10. Ça sera... Je vais en prendre deux comme ça d'ailleurs aussi. Ah, j'en ai déjà 6, ok, c'est bon. Sombre Ball, je pense que j'ai ce qu'il faut aussi. Shadow Ball, Free Ball, Swamp Ball. Swamp Ball, ça peut durer. Je vais en prendre deux, on sait jamais. Pour ma collection de CT, rien de tel qu'un tour au centre commercial. Comme ça, je peux faire le fier devant la collectionneuse de CT de Parsemille. Allez, je vais voir qu'est-ce que je peux acheter. Fais-moi des vrais CT, s'il vous plaît. Ultra Laser Giga Impact. Putain, c'est nul! C'était là. Mélancolux n'est pas très doué pour les combats, mais pour griller une tranche de pain, il n'a pas son pareil. Oh, oh, oh. Meilleur Eldresseur, meilleur doit être sa stratégie, car je veux faire gagner Pokémon chéri. Je suis serveur, mais je suis plutôt doué en combat de Pokémon. Et tu le dis. Ulrich, le serveur qui envoie un bagnon. Écoute, j'ai une réponse toute trouvée pour ça. Allez, Excalibur! Galatine! Voilà, ça dégage. Moi, les Pokémon, je leur donne toujours PV+. Ça leur rend le poil plus brillant. Mais il y a tant d'autres choses à essayer, j'en ai une tournée. Ouais, faudrait que je m'y intéresse un jour à ça. Également. Il s'est passé quoi? Bah écoute, on se balade tranquillement. On a capturé un Yanma. Qu'on a appelé Zanzang parce qu'on n'avait pas d'autre idée. Pour l'instant, il est dans le PC. Parce que je m'en sors pas trop, mais voilà. Hop là. Il y a une Pokéball en bas, faudra aller la chercher. Ah, je suis rapide et sauvage, personne ne peut me vaincre. Michael le motard. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces bandits avec leur Pokémon cute là, sans déconner.
Elle est ténèbre ou psy celle-là? Si elle est ténèbre, c'est Gawain. Si elle est psy, c'est Bibi. Elle est sûrement ténèbre, mais je préfère demander. Esmerilla, s'il vous plaît, monsieur, dame. Bon, on va assumer, hein. Aïe. J'aurais pas dû assumer. Never assume gender. Ah, c'est terrible. Oh putain, mais s'il me fait psycho à chaque fois, je vais pas... Hein? Psy. Bah tiens, évidemment. Bon bah c'est psy, Bibi. Voilà. Quoi ça? Ça fait léviter Bibi. Bah pourquoi j'ai léviterai? Enfin... C'est mon signal en fait. Hein. Bah voilà. Perdu, je suis, je me sens nul. Alors là, il va y avoir un combat double. Voyons voir. On peut mettre Gawain et Gilgamesh. C'est pas mal. Par contre, faut qu'on en soigne quelques-uns là. Un peu d'eau fraîche sur Bibi. Sur Gawain. Et non, c'est bon. Je sens que tu as de bien beaux Pokémon, toi, tu veux bien nous les montrer. Oh là là, deux voyous ensemble, tu sais ce que ça veut dire? Les résultats risquent d'être explosifs. Aïe aïe aïe, c'est pas des bannières d'aborder une jeune fille, ça. Un saut lourdeau, héros carnage. Ok. Alors l'un seul lourdeau va me casser les pieds, je pense. Bibi pour au carnage. Un seul lourdeau, c'est sol. Coup. Oh, je peux faire ton broche sur au carnage déjà. Ah, c'est normal. Ah bon? Ah d'accord. Aïe. Ok, ça va. Oh, esquive, c'est dommage. J'ai envie de faire rayon chargé sur au carnage, mais le problème c'est que s'il se reprend une attaque, je sens que ça a mal se passer. On va soigner tout de suite, c'est jamais. On va soigner quand même. Et toi, du coup, tu peux faire éclatroc sur un seul lourdeau. Ça, je m'en doutais. Ok, c'est bon, ça va, on tient, on tient. Ah, sans déconner. Sans déconner, ok. Qui est le plus rapide entre les deux? Je crois que c'est Bibi, hein. 55 de vitesse contre 35, ok. Dans ce cas-là, Bibi va faire rayon signal sur un saut lourdeau. Et toi, tu vas faire... Alors, lequel on soigne? Lequel on soigne? Bibi, j'y arrive. Ah, Bibi. Ah! Ok, c'est bon. Oh non, tunnel, enfoiré! Ah, l'enfoiré. Ah ça c'est pas cool du tout ça, c'est pas cool du tout, c'est pas cool du tout, parce que Sol sur Gawain ça va faire super mal. Gawain il va se barrer, pas le choix. On va faire rayon chargé sur roue carnage, et toi tu vas prendre Carmilla. Pas le choix, il faut qu'il parte. Et Bibi, j'espère vraiment que c'est pas sur Bibi que ça va tomber le tunnel. Oh c'est bon. Oh yes. Ok on s'en sort, c'est bon. Facile. Gilgamesh 39, pas mal. Plus de vitesse. Oh, la vitesse qu'il a, Gilgamesh. Waouh. Ok. Cool.
Bon, rayon signal là-dessus, et puis tranchère là-dessus. Allez, ça dégage. Quoi? C'est ça ton sens de l'amitié? Quoi? Notre amitié a pas été assez forte? Oh no! Filez-moi ça. Un fossile crâne. Oh, fossile. J'ai hâte d'avoir tous les fossiles à enlever, à sortir d'un coup, là, ça va être trop bien. Enfin, un petit coup de son Pokémon, et après on va retourner dans les herbes vertes, parce que du coup, il y avait un Pokéball à, qui restait à aller chercher. Pas de mort pour l'instant. Une heure de live. Pour l'instant, ça va. C'est maintenant que, évidemment, je jinx, hein, bien sûr, mais pour l'instant, ça va. Après, faudra pas oublier d'aller voir le champion aussi, hein, quand même. Je pense qu'on pourra y aller maintenant d'ailleurs en vrai. Parce que là tous mes Pokémon vont à peu près au niveau. Ah, c'est quoi ça? C'est un poison quelque chose. Ça doit être un haut poison quoi. Ouais, c'est ça, il faut les tessons rouges, faut aller voir un Poirion 9, faut me farmer les tessons, la flemme. T'es poison lui, c'est au sol. Ouais, il est au sol, effectivement. Il est claqué au sol, effectivement. Du coup, au sol, ça veut dire. Quoi? Ça veut dire plante. C'est con. Ça veut dire vol. On peut tenter Carmi là. Écoutez. Au moins, je ferai pas plus de dégâts contre lui, mais au moins. Lui non plus. Ah bah d'accord. Carmilla, je sous-estime un petit peu son attaque, j'ai l'impression. Hein. Si je gagne, tes Pokémon sont à moi. Putain, les loubards du vendredi soir. Bernard le loubard. J'envoie un trio piqueur. Bon bah ça, c'est fait Orion, hein. Bon bah ça, ça se fait Carmilla, hein. Ouais, bon, c'est bien Carmilla, hein. Hop là. Ok, d'accord, il a que des attaques, il a que des attaques sol, super. Ok. Yo Kiwi. Hello, hello. J'espère que ça va bien. C'est juste une blague, pour la peine de te vexer. Chet. un vieux Ducat, ça je pense que ça se vend encore comme d'hab. Bon allez, on va aller voir le champion d'arène. Pour avancer un peu. Je pense qu'on est pas trop mal. Potentiellement ils seront quoi, niveau 45 les ennemis? Ça devrait le faire je pense. On va aller se soigner un cran. Et on va aller tester ça. Cette petite arène du coup. Donc oui, pour l'instant, aucun mort. Évidemment, maintenant qu'on va faire l'arène, c'est maintenant que ça a commencé. Mais pour l'instant, aucun mort. On a récupéré un sablero. Enfin, un sablette qu'on a fait évoluer en sablero. Qu'on a appelé Gilgamesh, parce qu'il est stylé. Et on a également récupéré un Yanma, qu'on a appelé Zangzang, parce qu'on n'a pas d'idée. Et qui pour l'instant est dans le PC, parce que je sais pas, c'est pas le Pokémon qui m'attire le plus. Donc voilà. Et donc là, nous partons, du coup, nous démarrons la 7ème arène de ce jeu. Un dragon. Ah oui, t'es marrante celle-là, c'est vrai. Bienvenue à la reine de Janusia. Pour bien commencer, une bouteille d'eau fraîche, comme toujours, évidemment. Merci beaucoup. J'apprécie votre sollicitude. Alors, que dis-tu de ces statues de dragon? À couper le souffle, hein. Et des statues de cette taille, on n'en trouve que dans cette arène. Pour rejoindre le champion, il faut monter sur la tête de ce dragon et s'élever jusqu'à celle de l'autre. Watson est spécialiste du type dragon. Ça reste entre nous, mais ce type est vulnérable à lui-même et au type glace. Il va y avoir que des barloches barbichas dans l'arène, tu vois. Au secours, quoi, non. Serais-je l'oiseau de mauvais augure ou pas? Bah écoute, Kiwi, c'est ce qu'on va voir. Il faut toujours viser plus haut, comme un dragon s'élevant dans le ciel. Eh bien, c'est parti pour l'arène, messieurs dames. Le vénérable Marco. Qui envoie un ennemi plus haut.
Go, go, Bibi, go! Ah, écoute, je... ah, ils ont 46 quand même! Ah ouais! Ah oui, ils ont pas mal de level. Hein. D'accord, ça va. Gamèche monte niveau 40. Putain, cette vitesse de dingue! Ah vache! Hein. Ah putain, c'est vrai que j'ai pas regardé les attaques que je pouvais lui répondre. On va faire ça tout de suite. Plus haut se trouvent des dresseurs plus forts que moi. Celui de droite privilégie l'attaque, celui de gauche la défense. Retourne maintenant sur la tête du dragon et monte sur le triangle brillant. Et choisis droite ou gauche. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre à notre petit Gilgamesh? Ça peut être sympa. Et également pour Staros, hein, si on a un truc à une attaque à augmenter, à donner à Staros, ça peut être sympa aussi. Griffon. Est-ce qu'il peut apprendre Griffon, moi? Oh oui, il peut, nice. Oh oui, ça va être bien, par contre. Ça va être bien. Ça fait une attaque de plus anti-spectre, enfin anti-psy, et ça, c'est toujours c'est toujours à prendre. Peut-être virer Tourbissable, je suis pas fan. Éclat rock, bien sûr, choc venant. Choc venant, attends. Il peut apprendre choc venant, Carmilla. Ouais. Est-ce que j'ai besoin? Non, je pense pas. Est-ce que j'ai déjà croc venin? Oui, ça, j'ai croc venin, c'est ça. Coupe, flash, repos, attraction, force, survie, insecte, non, embargo, écosphère. Par hasard! Évidemment. Changer clair volant soleil, piétisol. Donc piétisol, du coup, ça j'ai dit qu'on pouvait lui apprendre. Et je me dis que ça peut être. Peut lui permettre d'activer son talent qui est une chose. Non, hein. Non, parce que tourbissable en fait, c'est sur l'adversaire, il est une tempête de sable sur lui-même. Alors que le talent de Gilgamesh, c'est quand il y a une tornade de sable générale sur le terrain en fait. Piétisol. Tunnel 80, piste 60. On va sur tout le monde. Non, mais on va peut-être garder le tunnel en vrai. On va peut-être garder le tunnel au final. Aiguisage, tombroche, clonage, dégommage, acrobatie, chute libre, rayon chargé, distorsion. Pas grand chose encore une fois qu'on peut apprendre, ça c'est un peu chiant. Mais par contre, il y avait un truc que je voulais regarder, c'est du coup résumé. Là, en termes de stats, il est où? Il est en attaque, c'est de la merde, ouais, c'est ça. Hein. Alors qu'il a que des attaques normales, enfin, il a que des attaques physiques, mais c'est là où il a le moins de stats et il en gagnera moins. Des attaques spé. Mais du spé sol, j'en ai pas encore. Ok. Et l'autre que je voulais voir aussi, c'était pour Carmilla. Donc, ouais, Carmilla, crochet venin, ça. Ah, attends. Crochet venin, c'est du physique qui tape en 50. Oh! Carmilla a autant d'attaques que d'attaques spé. Donc en vrai, si crochet venin ça tape en 50, alors choc venin ça tape en 65, ce qui est mieux. Donc on va prendre choc venin du coup. Voilà. Et on va soigner parce qu'il n'y a pas de raison. Une petite potion sur Bibi. Voilà. Allez, retournons-y. Alors. Ah oui, ok. Grimpe et ensuite on saisit. Mesdames et messieurs, droite ou gauche? Vaste question. Droite ou gauche? Beaucoup de conséquences possibles sur le paysage politique français. Droite ou gauche? Réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. Évidemment, la gauche, c'est l'avenir. Et bam! La défense, c'est tout. Vénérable Mahalo, qui envoie un Kadabra. Ok. Bah écoute, j'ai le Pokémon parfait pour ça. Je vais le Bibi.
60 attaques SP au moins. Ouais, nice. Ça va. Hop, on change et on signale. Parfait. Nice, niveau 44, parfait. Plus de PV, plus de défense P. Nickel. Regardez-moi ce monstre. Et un Démanta. Alors ça, je crois que c'est un Pokémon eau, si je dis pas de conneries. Parce que c'est une Raimanta. Du coup, Bibi, c'est bien. Par contre, vraiment, je le soigne. Au vol. Oh, putain. Ah ouais. Oh, tu vas passer un bon niveau, toi. Hein. J'avais pas une bouteille d'eau. Ah non, au frais, j'ai que 50, d'accord. Ah ouais, va bien se marrer, là, le Démanta, là. Hop là. Ah, un petit coup de jus, là. C'est super, super efficace. Quelle capacité de défense, vraiment incomparable. Ah bah, la défense P de Bibi, hein. Les dresseurs qui se trouvent plus haut ont chacun leur spécialité. Celui de droite préfère les combats trio, celui de gauche les combats rotatifs. Oh putain. Toi, t'as combat qui m'intéresse. Celui de droite les combats trio, celui de gauche les combats rotatifs. Je préfère les combats rotatifs. Hein. Personnellement, les combats trio, ça me fout toujours dans la merde. Donc on va déjà soigner Bibi déjà. Et évidemment, l'avenir, c'est la gauche. Le combat rotatif. L'ordre dans lequel les Pokémon se succèdent est la clé. On va peut-être mieux réfléchir à mon placement d'équipe, moi, du coup. Hein. Alors... Alors, donc si c'est un Tarinor qui reste, il faudrait que je lui balance quoi? Il faudrait que je lui balance Gawain pour qu'il fasse du coup Éclatroc. Ok. Si c'est Ludicolo qui vient, il faudrait que je lui mette Bibi pour coup de jus. Et si c'est Walmer qui reste, il faudrait aussi que je mette Bibi pour coup de jus. Donc du coup... On va commencer par faire ça. Par contre, si c'est... Ouais, on va commencer par faire ça, je pense. Merde. Le type proche est faible face au type sol. Ouais, mais le problème, c'est que je me suis dit, il y a deux Pokémon sur trois qui peuvent bouffer... Ils peuvent bouffer le coup de jus. Du coup, on va continuer. Voilà, je sais ce qu'il fasse ça. Parfait. Aïe. Pas autant de dégâts que je pensais. On va faire rayon chargé, je pense. Ah merde! Enfoiré. Wait. Ok, c'est bon. J'ai eu très très peur, mais vraiment, ça va. Au final, ça va. Oh, mais Bibi, vraiment. Bibi qui tient tout. Bibi qui tient, vraiment, hein. Insane, la défense de ce Pokémon. Non, ça va, je vais pouvoir le gérer. En fait, ce qui est bien avec l'on chargé, c'est que du coup ça... Ouais, l'on chargé c'est bien parce que ça peut augmenter l'attaque spéciale. Donc du coup, voilà, comme ça. Du coup, ça peut... Oh, snowball. Ça peut. Ah oh, putain, plonger encore. Ça va. Enfin, il nous signale, tiens. Ouah. C'est pas ce que je pensais. Les couilles, lui, vraiment! Dégage! Putain!
À coup de jus. Voilà, nickel. Aïe. Chiant ça. Ok. Ouais, on va le virer. Et on va mettre du coup. Roche. On va mettre Orion. Orion plante, ouais, c'est bon, ça passe. Critique, ok, ça va. Faisons mon surf, I guess. Ok, nice. Alors, ce Ludicolo, on va l'avoir comment? Faut pas que je le laisse là, Orion. J'ai envie de dire. Non. Normalement, si je me loupe pas, pied brûleur, ça passe. Exactement. Un Poké sous plongée prend ultra cher sous surf, c'est vrai. L'anecdote est vraie. Plus de vitesse, ok, ok, pas mal. Trois Pokémon que tu as choisi, j'ai pas vu. Tu es véritablement digne d'affronter Watson. La victoire peut être arrachée quand on le désire vraiment. Alors attendez, avant toute chose, on va soigner. Parce qu'on a besoin de soigner des gens là. Ce sera hyper potion sur Mr. Enfin, Mrs. Bibi, du coup. Super sur Orion. Voilà. Anti-brûle. Sur Bibi. Et on est bon. Et on est bon. Je suis enchanté de voir que tu as pu surmonter les épreuves dressées sur ton chemin jusqu'à moi. Je me nomme Watson et je suis le champion dévoué de l'arène de Janusia. En tant que maire de cette ville, j'ai investi toute mon énergie dans son développement et en tant que dresseur, je n'aspirais qu'à davantage de puissance. Désormais, je ne rêve plus que d'un futur radieux qui pourrait me montrer un jeune dresseur plein de vie. Puis-je espérer qu'à l'instar d'Iris, tu me montreras toi aussi cette lumineuse voie? Let's go, mesdames et messieurs, le combat d'arène contre Watson. Combien de Marestes? Combien de Barbicha, pardon, plutôt. 3 Pokémon pour Watson. Il a toujours un flow de dingue. Meloetta. Putain, vous me l'avez dit la dernière fois ce que c'était ça, j'ai déjà oublié. Vous m'avez déjà dit ce que c'était ça, mais j'ai déjà oublié. Du coup, dans le doute, parce que ça... Dans l'autre, je crois que c'est pas un plant, tu me connais comme ça. Ah, c'est un psy. Évidemment. Ah, un Stylix. Je l'avais call. Oh merde, le tunnel, putain. Saloperie. J'ai utilisé Carmilla, là. Psy normal dans son autre forme, psy combat, d'accord. Bon, sauf que Carmilla contre un Stylix, ça va pas faire grand-chose, hein, je vais pas vous le cacher. On va ressortir Gawain. Un peu de bol. Lame de rock esquive, into pay brûleur, into... Fuck! M'en fous, hein. Moi, ça me coûte pas de PP de faire ça, hein. Moi, ça me coûte pas de PP, hein, donc let's go, hein. Lame de rock esquive, pied brûleur. Ah si, merde, ça me coûte un PP à chaque fois. Zut. De toute façon, j'ai rien d'autre contre la scie en fait. Hein. De toute façon. Il va pas arrêter de faire ça. Hein. Je ne peux pas laisser Carmilla parce que l'âme de rock, ça va me foutre dans la merde. Mais... mais je peux pas... Ah oui, surf. Ouais, surf, ça peut le tenter, ouais, effectivement, ouais. Acier sol, ouais. Ah oui. Allez, on change. Allez, surf. Ah, super efficace, mais le problème, c'est que... Je prends trop cher. Merde. Merde, c'est truc. Oh.
Ah, elle a fait chier. C'est trop rapide pour moi, putain. Carmilago. Comment je me sors de cette situation, moi, du coup? Ah, bon, distorsion de C4, j'avoue, hein, là, ça commence à devenir urgent. Que de faire? Ok. On va se soigner un petit peu. En vrai, voilà, si lui, il claque des pépés de tunnel et que moi, j'en profite juste pour me soigner, c'est pas grave, au pire. En vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, ça me fait une petite pause, quoi. Je vais faire tunnel, voilà, encore. Là. Parmi là. Après, du coup, on renverra, du coup, Orion. Ouh. Il va faire la lame de roc. Que de faire, tiens non. Pas très efficace. Normalement, la mâchouille, ça devrait pas tuer. Ok. Bon, bah. Super Orion, hein. Rip Orion, du coup, effectivement, là-dessus. Pas grave, on assume. On assume, on assume. Comment quand même pomper l'air un peu là, celui-là. On a pas été super pour le coup, ah non, c'est clair. Adieu beaucoup, hello, hello, quand ça va bien. Faut faire là-dessus. Ouf. Ah ouais. Oh putain, il fait mal ce coup. Enfin, c'est même plus de 30 minutes, c'est ça. Bon, rappelez-moi, il y a combien de PP là dans tunnel capacité. Il y a 10 PP. Bon, ça va, il a presque fini du coup. il en a bientôt plus là. C'est bon. Il va arrêter de faire tunnel un jour. Ah bon, ce combat, on se marre beaucoup, hein, clairement. Une stratégie de haute voltige, j'ai envie de dire. Hein. Ben le stall. Ah bah ça y est, quand même. C'est bon, je peux jouer maintenant. J'avoue. Alors, est-ce que je peux jouer, s'il te plaît? Merci. Donc Meloetta, on a dit Psy, du coup c'est Bibi. Allez, attaque SP, nice, du coup c'est Rayon Signal. Pas vrai. Oh. Ça me va aussi. Alors ça me va tout aussi bien. Bram. J'avais complètement oublié que Rayon Signal, ça marchait aussi contre les Pokémon plantes. Le sang bout plus ardemment avec l'âge. J'ai pas dit mon dernier mot. Pense à demi-tour, mais t'es toute seule. Dégage. Voilà. Allez, Rayon Signal, laissez faire que demi-tour en fait. Bon, ça dit, je vais faire que Rayon Signal aussi, mais c'est pas grave. Hyper potion, ça j'étais attendu. Et heureusement qu'il l'a fait là-dessus, pas sur Stylix, hein. On est un peu dans la merde. Oh, le coup critique! Pour une fois que ça se met de mon côté! Gilgamesh monte au niveau 42, let's go! Qui va prendre Tempête Sable? Voilà, on en parlait, Tempête Sable, let's go! Du coup, Tempête Sable. On va enlever Tranche, hein. Ah, mais après, je.
prends la touche. Un cœur qui ne cède pas à l'amertume de la défaite. Voilà la preuve de la vitalité. Eh, tu m'as pété Staros quand même, hein. Je t'oublie pas, hein. L'amertume de la défaite. Et prodigieux. Je suis reconnaissant d'avoir pu te rencontrer et livrer un tel combat. Grâce à toi, je me suis souvenu du véritable sens des combats Pokémon. En alliant ses forces à celles des autres, il devient possible de surmonter toutes les difficultés. Enfin la 7ème badge, putain. Le badge mythe. Si je ne me trompe pas, tu as en ta possession 7 badges 10. Aucun Pokémon ne saurait te désobéir jusqu'au niveau 80. Je veux aussi que tu prennes ceci avec toi. Il s'agit de l'une de mes cités préférées, j'ai nommé Dracoqueux. Onobu, voyageur, c'est pour vous. Le choc de l'impact de Dracoqueux inflige des dégâts, mais également si puissant qu'il renvoie le Pokémon touché dans sa Pokéball. C'est... Maonobu voyageur, c'est de la merde. Autrement dit, c'est la force de ton adversaire à chaque Pokémon. Je dois maintenant te narrer la légende de la fondation du lycée. T'es vraiment obligé? Comme me l'a demandé la fille de ce bon vieux Catelleria. Retrouvons-nous dehors. Comment ça, ce bon vieux? Attendez, on m'aurait menti? Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est long. Ah. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ok. Oui, ça fait plus de sens comme ça, effectivement. Ah, Ketiria, c'est le nom de famille, j'ai oublié. Tu viens de donner la peine de me suivre jusqu'à ma demeure. Mais monsieur, vous êtes parti devant, comment je fais pour savoir où vous habitez? Bon, bref. Alors, m'excusez, on a d'abord un truc à faire. La malédiction hein, ne fera jamais lever. Même si on n'a pas déplacé Fionn, mais bon, on a quand même perdu quelqu'un. Malheureusement, notre super Orion est pas si super que ça, et du coup doit dégager. Du coup nous sommes dans une impasse, parce que je vois, du coup l'idée c'est que j'aimerais bien aller mettre Yanma pour le faire évoluer. Le problème c'est qu'on a plus de Pokémon haut. Du coup bah faudrait ramener Wailord. Le problème c'est que Wailord c'est de la merde. Enfin notre Wailord en particulier c'est de la merde. Il évolue niveau combien Yanma? On va commencer par ça en fait hein. Et du coup, vu que j'ai un badge en plus, j'ai peut-être des trucs à récupérer à la boutique en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Des potions max. C'est peut-être un peu too much pour l'instant. Ouais, rien de plus. Il faut qu'il ait pouvoir antique, puis qu'il monte de niveau. C'est bon. C'est bon. Du coup, c'est lui qui prendra le multi-exp pour l'instant. Et c'est également lui qui passera devant pour l'instant. Mais Guillamèche, niveau 42, hein, il rattrape son retard, mine de rien. Pas mal du tout. Bon, allez, vas-y, par ici. Nous y sommes, entre donc. Merde, je suis même pas allé par là tout à l'heure. Même. Alors, vas-y. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'exposition. Voilà. Bien, mon histoire risque d'être longue, mais je voudrais que tu l'écoutes avec attention. Il y a 2 ans, 2 Pokémon dragons se sont éveillés d'un long sommeil. Zekrom, le dragon noir, en quête d'idéal, conduisant vers un monde d'espoir. Reshiram, le dragon blanc, en quête de réalité, conduisant vers un monde de justice. Ces deux dragons, à l'origine, ne formaient qu'une seule entité, un unique Pokémon. Quelle est la cause de leur séparation, me demanderas-tu? Le dragon des origines voulait apporter son aide à 2 héros, 2 jumeaux, afin d'établir les fondations du Nice. Hélas, les 2 frères poursuivaient des buts bien différents, l'un l'idéal, l'autre la réalité. Chacun étant assuré de la justesse de ses vues, ils décidèrent de s'affronter pour s'imposer à l'autre.
Unis fut déchiré en deux camps dans une lutte fratricide. C'est alors que le dragon noir et le dragon blanc firent leur apparition. Pourtant, l'idéal et réalité ne sont pas destinés à se dresser l'un contre l'autre. On suppute aussi qu'un troisième dragon serait né à la même époque, Kyurem. D'après les recherches du professeur Cateliria, la preuve en serait le trésor que ma famille se transmet de génération en génération, le pointeau ADN. Il est constitué des mêmes matériaux rares que ceux utilisés dans la tour Dragospire et daterait de la même époque. Je veille jalousement sur le pointeau, même si j'en ignore les propriétés exactes. Quant au troisième dragon, Kyurem, s'il existait vraiment, nous n'avons qu'une idée de sa nature. Était-il déjà présent lorsque les deux dragons se sont séparés? Est-ce qu'il ne constituerait pas une coquille vide, une exuvie animée, dirait Arty? C'est la théorie que je privilégie. Pouche! Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais je rêve! Ah d'accord. Le scénario s'est réveillé, c'est bien ce que je pensais. Eh, vous tirez pas au canon sur le centre Pokémon, hein, j'en ai besoin moi derrière. Ah bah super. Mais tout est gelé. Phrase égali, go. Tranchodon, dragon queue. Tranchodon. Né. Né. Merci Tranchodon. Enfer, même pas une égratignure à la surface. N'est-ce pas fort et piquant? Un bon dragon est un dragon gelé. Mais tu étais dans le palais de haine. Quel froid mordant. Je ne peux m'empêcher de trémuler. Mais si je souffre, c'est donc que je vis. Qu'ai-je besoin d'autres preuves de mon existence? Le voilà, le gage de mon être. Assez discouru. Admirez la puissance divine de la science. Le souffle séraphique de la team plasma qui enveloppe le monde d'une gangue adamantine. Un inaltérable, immarcessible manteau de givre, tant qu'il sera nôtre. Oyez donc nos conditions. Seigneur Watson, scellez-nous un continent le pointeau ADN. Car quelle cité mieux que Janusia, où passé et futur se mêlent, peut plus dignement receler l'antique épistoire? Les horreurs que vous avez commises il y a 2 ans, crois-tu vraiment que ta requête fasse sens? Oh, vous voilà bien difficultueux, mais rien que je n'aurais envisagé. Notre longue anamité vous autorise un sursis avant que nous ne frappions avec la mort blanche une seconde fois. Une courte recherche nous appelle, même si fort inconfortable dans ce glacial hiver. Monstre, je vais leur apprendre la politesse, moi. Uiko, j'ai besoin de ton aide. Il faut débarrasser Janusia de la team Plasma. On va sauvegarder, hein, quand même. Hein. Un dragon sur un glaçon et ça se prête en champion, je te jure. Boulet, va. Alors moi, j'ai un bras d'égalie à côté, si jamais il y a besoin. Ah putain, ah ouais, l'enfer. Ah, les forbans, ils sont plus forts que jamais. Miko, occupe-toi des autres. Ce vieux schnock n'a aucune pitié, même pour une délicate demoiselle. Merci, c'est une meuf, ça. Les Pokémon sont des objets, c'est ce qu'on m'a appris. Et moins on se torture le cerveau, plus on peut se concentrer sur leur maîtrise. Je suis méchant. Le sbire de la team Plasma qui envoie un débugant. Combat du coup. C'est l'heure, bah zonzon, ça pourrait faire le taf, mais j'ai pas ce qu'il faut, donc on va envoyer. Garmila. Allez, vole! Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles! BAM!
Voilà. Et un pont chien. Non, ça je sais. Ça c'est pour Gawain. Allez, éclate rock. Ouais. Boum, ça dégage. Ah, level 44 pour Gawain, parfait, let's go. Plus 5 PV, plus 3 d'attaque, incroyable. Petite canaille, tu as cassé mes jouets. Comment? On peut rendre des Pokémon aussi forts sans les maltraiter? Eh bah ouais. Je me suis fait battre misérablement. Tranchodon m'a fait voler jusqu'ici. Putain vache. Est-ce que j'ai quand même le droit d'aller au centre Pokémon ou... Ah, sortez pas, hein, vraiment, je suis pas très beau dehors, hein, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la vie est-elle complètement gelée? Oh, la boîte médaille. Ah oui, bon, d'accord. Quoi? Qui a fait quoi? Où et pourquoi? Pas étonnant que j'ai si froid. Et merde, lui, j'ai même pas écouté ce qu'il disait, lui. J'ai vu ces grosses colonnes de glace tomber du ciel. Bah tant pis. Et du coup, ils sont où les autres à taper hein? Ah, et non, ça c'est là d'où je viens. Ils sont où les méchants à tabasser? Et ta langue. Non, quand même pas, je pense pas. Je pense que le jeu nous dit qu'il faut aller par là. Par là. Par là, par là. Par là, ici, voilà. Et y'a eu, voilà. Hors de mon chemin, vermine, avortons. On a un Celebi, ah ouais. Ah comme ça, d'accord. Celebi, c'est quoi? C'est plan de ténèbres ou c'est une connerie comme ça? Bon, de toute façon, au pire, ça se fait Gawain, non? Psy, peut-être? Oh non, pas psy, mais non, c'est... Plan psy. Bon, ça crame pareil, hein. Ça crame tout pareil que le Mauvartic, hein, voilà. Non, parce que... J'avais souvenir que... Parce que moi, le seul deck de cartes Pokémon que j'avais dans ma vie, c'est un deck... un deck Celebi. Il y avait... La seule carte rare du deck, c'était Celebi, quoi. Et il me semblait que c'était un qui utilisait des attaques ténèbres. Du coup, ça me surprend un peu. Bah bon, tant pis. Hein. Allez, Zangzang niveau 39, let's go. Et let's go. Zangzang évolue. Oui, oui, bah du coup, bah c'est pour ça que j'étais perdu, du coup. Ça aurait été un mec, on l'aurait appelé Kintoki, hein. On l'aurait appelé Kintoki Rider, hein, clairement. Yann Mega. Ok, bah tu peux retourner dans le PC, maintenant. Cette espèce de traîne poubelle m'a retourné. Bon, on va le garder pour l'instant, mais bon, clairement, c'est pas celui qui me vend le plus de rêve, quoi. Retourner à l'arène. On foutra à l'arène. Pas besoin. Non, ça c'est en construction. Pas par là du coup. Oui, oui. Faut juste fouiller toute la zone et fouiller toute la ville et péter la gueule à tout le monde en fait. Bon, tiens, pas qu'on y est, hein. Parce qu'on passe devant. Ah bah, qu'est-ce que tu fous là toi? Je t'attendais, mais plus chiant, tiens, une nouvelle médaille. Évolution, d'accord. Ok, parce qu'on a fait pas mal d'évolution. Très bien. Par contre, le dernier, il est où? Enfin, je pense qu'il en reste un dernier, mais il est où, du coup? Pas des autres. Ah oui, il est là. Il est là, lui. Ah non, j'ai déjà battu, lui. Merde, mais ils sont où?
Genre me barrer ou... Ah ouais, ils en ont foutu partout. Ah ouais, mais c'est dégueulasse. Attends, mais ils ont foutu de la, du givre partout, what the fuck. Et vous réagissez, vous, ou pas? Ils réagissent pas, super. Ah ouais, attends, mais what the fuck. Ils sont forts à cache-cache, ouais, tu m'étonnes. Du coup, c'est de l'autre côté, peut-être. Le jeu me disait clairement d'aller dans ce sens-là, donc je me dis, c'est peut-être par là. Hein. Ah, là, c'est vraiment... Non, c'est pas par là. Forcé à penser une blague salace. Ah, c'est pas ma faute, hein. Merde, attends, comment je rentre, ouais. Je pense que c'est clairement pas par ici. Non, c'est... Oh, tiens, ça... Ah oui, mais ça, il faut cascade, c'est vrai. Non, c'est clairement pas par ici. Ok, et eh ben, il faut qu'on y retourne, d'une manière ou d'une autre. 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 Je teste, je ne sais pas où ils sont, du coup, je teste. J'ai aucune idée où ils sont. Parce que ici, on a déjà fait... Là, il y a cet endroit où on est censé pouvoir s'arrêter à un moment donné, mais du coup, je sais pas où ils sont les autres, en fait. Mais attends, on l'a vraiment battu, lui, le mec au-dessus, là? Putain. Ah, je déteste les arènes glaces. Ah non, non, je suis mauvais, je sais pas sortir de ce genre d'endroit. Hein. Attends, c'est là, il faut passer par en dessous. Voilà. Comme ça. Et on l'a battu. Ah non, on l'avait pas battu, mais c'est ça. Unis, ça m'entendra, tu vas tomber tous tes membres de froid et des froids. Ok, ok, merci, c'est lui qui me manquait. Parce qu'en fait, il était à la même place que le mec de l'autre côté, du coup je pensais qu'on l'a déjà battu, c'est pas grave. Oh bah, tiens, j'ai un truc... Mais t'as pas un truc insecte toi. Allez Bibi, sors de là. Sablero pour faire le taf, maintenant, cela dit, c'est vrai. Mais bon, Bibi, c'est quand même plus stylé. Un vachement plus efficace en plus, hein. Il m'a vu passer 15 fois, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Oh, le fenard! Ah! Ça marche, Kega, merci beaucoup d'être passé. À bientôt! Ah, le fenard, ça aurait été bien d'avoir un Pokémon haut, là. C'est con, hein. Bah j'ai Gilgamesh, oui. Gilgamesh il peut faire tunnel. Ouais, 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 carrément. Oui, fait mal ça. Aïe. Mais j'avais oublié que Gilgamesh n'a aucune attaque en fait, c'est vrai. Et je pense que là, s'il prend autant de dégâts sur une vieille attaque, j'ose pas imaginer ce que ça donnerait sur une attaque classique. Bah écoute Gawain du coup, hein. Dans le doute, Gawain. Je lui ferai pas de dégâts supplémentaires, mais au moins lui non plus. C'est vrai que j'ai encore tranche sur Gawain, quoi, vraiment. Oh, c'est un bon level up, ça. C'est un tank physique, je te jure. Eh, c'est un bon level up, ça, pour Yann Mega, en vrai, hein. Plus de partout, minimum. Oh, damn. Je suis perdu, mais j'accomplirai la vision de la Team Plasma. En ce moment, les restes de l'équipe doivent être en train de passer l'arène open fin. Merci pour l'information, mon très cher monsieur. Ah, avant de parler au vieux là, petit détail là, je vais régler, voilà ça.
Le vieux. Par mes aïeux, me voilà contraint de t'affronter alors que je suis transi de froid. Soit, tant que je souffre, je vis après tout. Et ouais, il y a de méga, c'est chiant, hein. Il a pas de force, mais... Il y a des bonnes stats, il commence à avoir des bonnes stats, mais vraiment l'attaque physique, quoi. Alors Lilian, qui envoie un Obali. Alors, bah Gawain, hein. Obali, c'est Gawain, hein. Dans cette rapide avec une main d'AXP. Pas très efficace, ça fait mal quand même contre lui, quoi. Ah, c'est un haut glace, lui. Ah, il savait pas. Ok. Parfait du V. Parfait du V. Parfait du V. Ok. Oh bien. Enchouette. Oh ça c'est un. Ça je reconnais, c'est un électrique ça. Je reconnais. Putain, il a l'air d'être haut électrique. Ah il a lévitation, d'accord. Ça marche. Enfin par contre, Gilgamesh il a aucune défense, ça veut rien dire. En fait on peut être ça, tiens. Rappelle-moi, c'est quoi Gilgamesh, sa capacité augmente l'esquive. Ouais. Ouais, 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 hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais les dégâts qu'il prend sur une charge, quoi, vraiment. Tiens, vas-y, fais griffon. Moi. Il va mourir, ce con. Je peux pas le laisser 30 secondes, il va mourir. C'est une chips. Mais il a que dalle de défense le Gilgamesh, c'est une chips en fait, putain. Bon ça augmente la... l'esquive que dalle, ouais. Technique de lâche surtout pour le roi des héros, tu m'étonnes, vas-y tempête de sable. Bon ouais, ouais voilà, il esquive un peu mais putain, qu'en faire. Hein. Putain, pour lui faire quelque chose avec Gilgamesh, au secours, hein. Ici, c'est artefact de soi. Ça. Quel admirable dresseur. Ton habileté à sublimer le talent de tes pelucheux compagnons est évidente. Fort bien, nous nous retirons face à ce froid intolérable. Mais médite cette image. Unis drapé dans un linceul de glace. Voilà le futur qui nous attend, une fois l'artefact en notre possession. Tu as sauvé la ville. Tu mérites mes plus vifs remerciements, tout comme ton équipe. C'est pas grand-chose, mais laisse-moi au moins la soigner. Merci. Reste ici, je te prie, je reviens tout de suite. Ouais, quand même. Ouh. Je viens d'inscrire un nouveau record de course. Ico, vol pointo ADN. Et tu me le files à moi. Une gamine, ok. C'est vraiment une chance que la Team Plasma n'ait pas pu mettre la main dessus. J'ignore encore ce qu'ils comptaient en faire, mais on peut supposer qu'il ne s'agissait de rien de bon. La reine était donc bien la cachette du pointo. C'était fort bien pensé. Impossible d'y pénétrer si Watson n'y est pas. Mais s'il y est, impossible de ne pas l'affronter. Voilà pourquoi l'arène a été rénovée. Quel dommage. Toutes ces précautions pour rien. Car le pointeau est à nous. Vous avez même manipulé votre sage pour savoir où se trouvait le pointeau. La fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Contrairement au Seigneur N, nous ne pouvons pas conquérir le cœur des humains. Nous avons recours à la force pour leur faire peur, leur faire plier. Que ces deux années furent longues. Ah, voleur, voleur et demi. Vous allez me rendre ça sans tarder. Degré ou de force. Le pointeau. Ils ont volé le pointeau. Les formants ont l'air d'avoir disparu. Mais je sens qu'ils sont toujours là. Aide-moi à les retrouver. Et du coup, il faut que je fasse le tour de la ville et je vais pas les retrouver. Ça va être le bordel. Et... Ah, wait. Pas du tout. Et là, va falloir que je sorte, c'est ça? Bloqué par ici. Ouais, ils sont plus dans la ville. Hein. Ouais, tout à fait.
Bonjour madame, vous auriez pas vu Bienvenue à Genus, à la ville de changement. Oui, d'accord, bah, merci madame. Et vous auriez pas vu Non, bon, bah c'est pas grave. Et de l'autre côté, vous auriez pas vu Ah bah voilà, il est là. C'est le point Oden que tu veux? La ville du changement, une ville normale, remplie de glace en un instant. Ah bah, le changement c'est maintenant, hein. Ouais, stylé quand il apparaît. T'envoies un canard t-show. Hatsune Miku approves. Bibi, hein. Scarino, c'est un insecte ça. Mudada. Bam, ça dégage. Oh, 41, go. Oh, bah, putain. Ah, au moins les stats montent, hein. L'attaque spé augmente, hein. C'est bien, mais Rafflesia, très bien, je prends. Oh, le niveau 45 de Gawain assuré, let's go. Ah, il y a le centre Pokémon juste à côté. Bam, let's go, 45, plus 5 PV, plus 3 d'attaque. Force d'admettre, tu es un dresseur d'exception. Je sais. Comme c'est dommage, ce n'est pas moi qui détient le pointeau. Je voulais juste gagner du temps, et j'ai réussi. Adieu. Enfer. C'est pas ta faute, Miko, tu as littéralement brillé. C'est moi qui ai pas su me montrer à la hauteur, je sais pas quoi dire. Julien, tu crois vraiment que c'est le moment, sans déconner? Ah, Hugo, il y a un bateau louche à Genusia. Et il vole. Oui, j'ai vu, je me dirige vers la ville. Jiren, tu crois que c'est le bateau des escrocs? Aucun doute. Faisons rapidement le cœur net, je suis presque arrivé. Oh, je te fais confiance. Hugo, s'il y a un souci, tu m'appelles, ok? T'inquiète, mec, pas de souci. Si j'avais le don d'ubiquité, je pourrais poursuivre ces bandits et protéger la ville. Miko et Watson, t'es sain et sauf. Jiren, c'est bien toi. Tu as gagné en assurance en carrure, dis-moi. Tu es devenu le champion d'arène de Pavonnet, c'est bien ça? Merci pour ces compliments, mais trêve de civilité. Je crois savoir où se terre la team Plasma. On relève une température anormalement basse tout près de Papeloa. Je pars enquêter là-dessus avec Baku. Watson, vous pouvez rester pour vous occuper du sauvetage de Genusia. Très bien. Je reste sans hésiter, je compte sur vous. Mais surtout, point d'imprudence, hein. Miko, j'ai vraiment besoin de ton aide. Dans la partie de bras de fer que nous engageons avec la team Plasma, nous ne serons pas trop de trois dresseurs de talent. Watson, souhaitez-nous bonne chance. Paploa, cette ville est située au nord de Vaglone. Miko, écoute-moi bien. Il faut que tu protèges les Pokémon de la team Plasma. La façon dont humains et Pokémon interagissent est et doit être multiple. Tu ne dois pas laisser la team Plasma faire régner la terreur. Alors d'accord, mais je vais me soigner d'abord. Ouais, j'avoue, 3, bah y'a moi. Je vois pas les deux autres, ils sont où? Je te rappelle que chez Arène, l'année dernière, c'était le mec, le champion d'arène, qui disait: ouais, voilà un Magikarp! Avec trempette. Pour m'affronter. Et il me faisait le son en mode: oui, un dresseur doit toujours trouver les meilleures capacités pour ses Pokémon. Magikarp avec trempette. fais voir la carte. Du coup, parce que j'ai oublié, du coup, Papeloa, c'est où? Il l'a dit, mais comme j'ai oublié le nom de où ça se trouve. Ah, c'est là-haut, d'accord. Donc, faut que j'aille à Vaglone et que je remonte la grotte littorale et le canal 21, et d'accord. Ok. On va faire ça. Pokémon Carmilla vol là-bas. Dans les étoiles. Enfin, c'est par l'aquatube, c'est ça. Du coup, va falloir que je dise adieu à Yann Mega et que j'aille chercher. Non, je sais pas ce que je vais faire. Que j'aille chercher à l'autre là. Hein.
Par contre, envoie multi-exp, s'il te plaît. Sac. C'est vrai que Sion a surf. C'est vrai, j'ai pas besoin de lui du coup. C'est vrai que Sion a surf, c'est vrai. Bah, dans ce cas, je vais. Alors, lequel je reprends du coup? Yanmega, Lichuen. En vrai, Yanmega, ça sert à rien. Je prends Lichuen. Hein. La Dream Team, hein. La vraie Dream Team, hein. Let's go. Je sais pas, j'en sais rien, mais on verra bien. Hein. Et du coup, là qui c'est. Bah, Gilgamesh, toujours en retard au niveau, donc let's go. Hein. Objet, donné. Multi-exp. Et d'ailleurs. Oh, ok, bah écoute, bah tant mieux, moi ça me va, hein. Ça m'arrange. Let's go. Oui, donc c'est. Pico, t'es où là? À la glone? Ok, tu passes par l'aquatube et on se retrouve à Papeloa, ok? Ok, ok. J'imagine que c'est là-haut du coup. La route la plus longue du Nice là-haut. Non, c'est pas pareil du tout. Ça, c'est l'autre côté. Oh, antipara. Mais attends, Bev a... Attends. Oui, si j'ai déjà capturé un truc ici. Oui, c'est ça. J'ai capturé un truc ici. Et là, je suis là. La grotte littorale, je suis pas sûr d'y être allé encore, la grotte littorale. Et je veux bien, mais je sais pas ce que c'est, votre aquatube, là. Machin, là. C'est ça, l'aquatube? Enfin, mais non, c'est pas un aquatube. C'est dans Vaglone. C'est ça là? Non. Ah putain, mais c'est grand Vaglone en fait. Mais non, c'est la route 14. D'accord. Allô, j'aimerais parler à Miko s'il vous plaît. Vous savez, dans mon entourage, beaucoup de gens disent que la qualité principale d'un Pokémon, c'est d'être classe. Et aussi, vous les aimiez, ce serait incroyable. Ça prouverait que c'est une mode. Ah, je vais devoir m'appeler, au revoir. Non, j'avais pas fait le tour de la ville, en fait, je croyais l'avoir fait, mais en fait, non, c'était plus grand que ce que je pensais. Du coup, ça doit être... C'est quoi ça? Comment j'y accède par ça, du coup? Peut-être, ouais, il y a toute une partie de la ville que j'ai... Ah, mais c'est ça, d'accord, ok, ok. Effectivement, j'avais pas été par là. Par contre, ouais, est-ce que je peux... Elle sentait. Ok, merci. Effectivement, ce truc-là, j'avais pas encore été voir. Effectivement. Bienvenue à l'aquatube. Profitez du magnifique paysage. Vous pouvez être la première à emprunter l'aquatube. Eh ben, chez-moi d'abord. L'aquatube, une merveille. Tu sais comment il a été construit? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, pardon. On l'a d'abord assemblé sur la terre ferme, puis on l'a juste plongé dans l'eau. Ça aurait pas été possible sans être des Pokémon, mais le résultat est là. Un magnifique tunnel sous-marin. Oh, c'est beau. Alors, la mer, c'est comme ça au fond. Comme je peux pas nager, je vais même abandonner l'idée de voir ça un jour. Quelle joie, quel émerveillement! Le budget de fou. Danse plus est une capacité qui laisse des souvenirs inoubliables. Pour l'utiliser... Mais ça va pas du tout, moi. J'arrive pas à rassembler mes idées. Je pourrais jamais présenter une émission télé. Oh. J'ai touché le fond. Des mers. C'est trop profond. On doit être à 20 000 lieues. Quelle profondeur. Mais c'est moins profond que... mon amour. Oh, damn. C'est beau ce que tu dis, là. Dis, t'aurais un Pokémon qui tient un pic venin? Est-ce que j'ai un pic venin seulement? Parce que ça peut se gérer, ça. Mais est-ce que j'en ai un?
crois pas. On sait jamais. J'avais une aile santé aussi, c'était quoi ça, aile santé? Ah oui, on entend plus de ok. Du coup, j'ai pas de big venin, désolé. C'est comme un aquarium géant où on peut marcher. Mais en fait, c'est pas les Pokémon que vous observerez avec curiosité. Bah non, parce que Gilga, au pire, il va mourir vite, c'est pas grave. Moi, c'est... Je veux sécuriser le fait que mon Brezegali ne meure pas, tu vois. Ah, mais attends, non, attends, comment... refais voir exactement comment ça s'écrit. Alors, comment c'est dit? Attends. Ah oui, j'avoue, faut le Danafion, j'avoue. C'est comment exactement l'énoncé du truc? Ouais, ça, ouais, on va le donner, ouais, à Fion, à Lichouen, à Gawen. En fait, j'ai pas envie de perdre Gawen, vraiment. J'ai vraiment pas envie de perdre Gawen. En empruntant cette route, on voyage plus avec les yeux qu'avec les jambes. J'ai plus d'une CT dans mon parasol, t'en veux une? Passade, consumi. Passade, en cas de brûlure, de parasite ou d'empoisonnement, sa puissance est doublée. Oui, bah non, merci. Hein. Alors comment c'était? Vous comprenez maintenant comment les Pokémon marins voient le monde? Alors attendez, avant la suite du scénario, j'aimerais qu'on prenne cette opportunité pour profiter du fait qu'on est dans une nouvelle zone pour attraper un Pokémon. Attends, on est dans une nouvelle zone. Techniquement, la zone qui est ici, c'est la ville. Là, on n'est pas sur le canal encore. Tant qu'on est là, on est dans la ville. Donc, ça compte. Non, dites-moi qu'il y a un Pokémon, par contre. Merci. Ça compte. Non, c'est un doublon. C'est un skip, c'est un doublon. Mâche le retour, mais c'est un doublon. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas que des grains durs, parce que sinon c'est chiant, hein, mais voilà. Et techniquement, c'est la zone de la ville. Donc on n'est pas encore... on n'est pas encore dans le canal 21. Donc, on pourra attraper un autre Pokémon plus tard. Ah putain, il n'y a que des grains durs. Merde. Non, il n'y a que des grains durs. Chier. Cela dit, je peux choper un grain dur shiny, du coup. Ah bon, retente encore une fois, si je retombe un grain dur, tant pis. Ah, saloperie. J'ai pas la canapé... Bah... Je suis pas certain. Comme tu le dis. Je crois que la canapage dans Pokémon Noir était donnée à la fin du jeu. Donc je suis pas sûr de l'avoir de mon côté, mais je vais regarder vite fait. Non, j'ai pas de canapèche. Ah, bah voilà! Yanguifei, le retour! Le retour de Yanguifei, let's go! Très bien, allez, vous savez quoi? Yanguifei, elle est où? C'est maintenant. Yanguifei, on y croit. Non, c'est pas un doublon. Elle, c'est garanti, je peux pas l'appeler autrement que Yanguifei. On parle de Starry, mais c'est pas un doublon, c'était un doublon de l'année dernière. Ça compte pas. Pyrony, c'était l'année dernière. Vous confondez. Voilà, Pokémon Torche. On dit que ce Pokémon serait né du soleil. Il évolue en enveloppant son corps des flammes qui jaillissent de ses cornes. Du coup, je suis désolé, mais ça, c'est Yanguifei. C'est le retour de Yanguifei. Et c'est trop bien. Par contre, rappelez-moi juste, quand est-ce qu'elle évolue déjà? Parce que moi, je me souviens que j'avais attrapé Yanguifei tel quel.
Genre en tant que Pyrax, il me semble. Non, d'ailleurs. Non, je dis des conneries, je l'avais attrapé en tant que Pyroni, d'ailleurs. Je crois que ça rentre tout pile, je crois. Let's go. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour le coup. Non, je l'ai pas sur moi du coup. Voilà. 59, ouais, c'est ça. Il faut bourrer de fou pour qu'elle évolue. Donc je pense que j'avais déjà été le chercher en tant que Pyrax. Alors résumé, il faut voir un peu. Relax de nature, aucun objet, très bien, persévérant. Qui possède bien le corps ardent, donc c'est bel et bien Langueyface, c'est bon, ok. Bon, elle est niveau 31, elle va évoluer. Hein. Enfin, elle va monter de stats, hein, bien sûr. Intérêt, parce que là, putain... Ouais, bah écoute, c'est pas ouf, hein. Mais bon. Sécrétion, vampirisme, bélier, nitrocharge. Ok, bon. Bah écoutez, ça c'est dans l'équipe directe, Lichuan, t'es gentil, mais non, voilà. Ah, je veux retrouver Langueyface à sa pleine puissance. Pokémon, du coup c'est Gilgamesh, objet déplacé sur Langueyface, ordre déplacé, voilà. Imaginez, on retombe sur Mordred. Imaginez, on retombe sur un Mordred. Ce serait beau. Ce serait tellement beau. Tapeloa est une zone balnéaire seulement connue de quelques privilégiés. Mais je préfère que tout le monde vienne s'y détendre. C'est trop mortel, ton Linéon, il connaît surf. C'est génial, putain. C'est trop godin, respect. Ton Pokémon et toi, ça doit y aller toute la journée à traverser, nager, monter. Non. Voilà. Ah, oh, moi je sais pas nager, alors la mer elle est vague, c'est pas mon truc. Yang doit pas tomber KO, je prendrai personnellement. Je vais faire tout mon possible pour pas que ça n'arrive. Parce que c'est mon objectif aussi d'au moins atteindre le rang de Pyrax. Bon, les jeunes mariés là, ça suffit vous deux? Hii, on m'attrapera pas. Attends un peu, va voir l'autre quand je lui aurai mis la main dessus. Eh, ces relations toxiques, ça je reconnais monsieur, hein, faut arrêter maintenant. Bon, vas-y Baku, qu'est-ce qu'il veut nous voir, qu'est-ce qu'il veut nous dire déjà? Parce que je le vois bien là, il nous attend là. Le pointeau ADN, on va le récupérer, fais-nous confiance. Mais toi, faut d'abord que tu mettes sa pâtée au champion. Ah ouais, c'est là, tout de suite, le champion. Ah ouais, ah. Tu vas affronter le champion? Ah, mais c'est qu'il est difficile à attraper. Il y tient, sa liberté. Hop là. Oh, c'est pour le badge que t'es là. Je suis Amana, le champion. Désolé, t'as dû me chercher. J'adore nager au large avec les Pokémon. C'est si bon d'aller toujours plus loin. Je t'attends à l'arène. Ah oui, donc en fait, je pouvais me balader beaucoup plus dans la ville, en fait. Ok, ok. On va peut-être farmer un peu d'XP avant d'aller voir le champion, je pense. Hein. Je suis le maître des capacités et un amateur invétéré de tessons jaunes. Tessons jaunes contre capacité, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? J'ai zéro tessons jaunes, bah écoute, Nick. Hé, dresseur, suis mon conseil. Utilise la capacité vent arrière. Elle permet de doubler la vitesse de tous les Pokémon alliés dès le tour suivant. Et ce, pendant 3 tours. C'est pas génial. Pouvoir agir avant son adversaire, c'est un... D'ailleurs, maintenant que tu t'en parles, tu fais bien d'en parler, mec. Il serait temps, je pense, une bonne fois pour toutes, qu'on apprenne cette foutue distorsion sur Bibi. Et qu'on remplace recyclage qui ne sert à rien. Mettre distorsion. Et ça, il y a moyen que ce soit game changer pour le coup. Je veux vous parler à vous là qui êtes dans l'eau. Bah attends. Je suis une ondine jaillissant entre les vagues. Ça me fait penser que dans la région de Kanto, on parle d'un champion surnommé la sirène en short. Non, c'est ça. Écosphère? Je vois pas pourquoi quelqu'un pourrait apprendre Écosphère. M'étonnerait que Langueyface puisse le faire. Oui, non, toujours pas. Hein. Ah, quel beau temps encore aujourd'hui. Le temps passe trop vite. Quand je me souviens même plus quand je suis arrivé ici. Si ça continue à ce rythme, je vais jamais pouvoir revenir des vacances. Il faudrait quelque chose pour me motiver.
Ah, on serait pas déjà dimanche aujourd'hui? Non. Yo, t'aurais pas un démenta? J'en cherche un pour l'échanger contre une boule de nœud, si jamais de la vie. J'ai échangé des conseils vestimentaires avec ce monsieur là. Il t'a transformé en maid, hein. Ça, je reconnais ses relations toxiques encore, hein. C'est dingue, Pokémon, y'a que ça dans le jeu, hein, c'est terrible, hein. Pokéball ici, ok. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de clients. Mais t'es un dresseur! Je sais, j'ai confiance en toi, tu vas devenir maître. Comme ça, je pourrais faire de la pub en disant que le maître est venu ici. Mais tu vends quoi, mec? Je sais pas encore, mais t'inquiète, ça viendra. Bémarron, nice, ok. Peut-être que oui, ou que non. Indécision. J'aime bien le fait que l'immonde soit plus plat qu'une planche à pain. Oh, j'aurais pas aimé. Dormir sur un l'immonde permet de relaxer le corps grâce à son électricité statique. Et le l'immonde, il est d'accord ou... Vouloir contrôler la mer ou la nature, c'est impossible. Il faut vivre avec, qu'on soit humain ou Pokémon. Certaines teams Aqua et Team Magma sont pas d'accord. Oui, lui, je l'ai déjà vu, c'est bon. Non, mais... C'est bon, monsieur, j'ai plus besoin de venir vous voir, c'est bon, ça suffit. Il y avait une Pokéball par ici, donc pour l'atteindre celle-là, faut que je passe par là. Pas du tout, faut que je passe par là. Qu'est-ce que... Ah non. Il y a un Pokémon là qui traîne. Dites-moi, vous, auriez-vous l'amabilité de promener mon adorable, gracieux, ravissant, charmant Kung Fuin? Carrément. Quelle bonté d'âme, je suis ému. Promenez donc mon adorable, gracieux, ravissant, charmant Kung Fuin. Mais vous devez rester en ces lieux. Le monde extérieur est peuplé de fous et de dangers. Qui sait ce qui pourrait arriver? Oh, j'ai un Kung Fuin qui me suit, let's go. Dites-moi! Puis-je savoir ce que vous faites avec mon adorable, gracieux, ravissant, charmant Kung Fuin? Je puis certes concevoir que vous ne résistiez pas à son charme, mais tout de même, le monde extérieur est bien trop dangereux. Imaginez qu'il se blesse. Puis-je savoir ce que vous feriez dans ce cas? Oh, la promenade se fera en intérieur, j'ai dit. Ok, madame. Oui, madame. Bien, madame. Je peux y aller, madame? Non! Cette promenade a à peine commencé que vous y mettiez déjà fin, ça ne saurait suffire. Mais peut-être bien que... Ciel, vous voulez laisser cesser de promener mon adorable, gracieux, ravissant, charmant Kung Fuin? Bah on continue, hein. Je suis sûr que c'est un troll et qu'il n'y a pas de fin. Je suis sûr que c'est un troll. J'en suis certain. Il n'y a rien à gagner à faire ça. J'en suis certain c'est un troll. Ou alors il faut que j'explore tous les pixels de cette maison. Mais je suis sûr que c'est un troll. Dites-moi! Non, ta gueule! C'est bon! Ah, c'est bon, j'ai compris! Madame, vous me cassez les couilles, madame! Quelle ignominie de fouiller dans la poubelle des gens! Quel bel exemple pour mon petit amour! Vous auriez beau regarder, vous ne trouvez que des poubelles vides! Alors cessez et reprenez la promenade incontinemment! Dites-moi, je sais ce que vous faites avec mon adorable, gracieux, ravissant, charmant Kung Fuin. Vous osez sous mes yeux ruiner la distraction de mon petit amour? Quelle toupette de se vautrer ainsi pour payer au corner, moi, devant la télévision. La récréation est terminée, la promenade doit reprendre sur le champ. Est-ce que vous allez m'engueuler dès que je regarde une plante verte ou comment ça se passe? Le lit, peut-être, j'imagine. Ouais, non, même pas. Bon merde, hein. Ta gueule la vieille. Genre juste, je m'en vais. Je veux plus jamais te voir. Maxi pépite pour Maxi Tunas, ok. Faut faire 500 pas.
tard, j'étais à 99. Et là c'est mort, et bah rip, tant pis. Route 22, bah écoute, attrape un autre. La route 22, c'est peut-être un peu tôt, je pense. Hein. Je crois que c'est le truc pour aller vers la ligue, ça. Donc on va peut-être éviter pour l'instant. On va peut-être aller plutôt sur le canal 21, la chanel. Attends, oui, non, ça c'est bon. Peut-être aller à côté. Hein. Peut-être aller à... Bon, une perle. D'accord. On va peut-être aller à côté, là. Apparemment, il y a des trucs. On va aller vers dans les herbes hautes et voir si on peut pas choper un Pokémon encore. Il n'y a pas d'herbes hautes, puisque c'est un... Il se passe quoi ici? Salut, Kayo, hello. Bah écoute, on est sur Pokémon. On fait un Nuzlocke random sur Pokémon Noir 2, comme on a fait l'année dernière pour Pokémon Noir 1. Et là on est près de la dernière arène et on va essayer de pexer un petit peu là pour finir la session je pense. Regarde, mon Pokémon fait le poids littéralement. Ça va très très bien. Et toi? Et toi donc? Par la nageuse Aiko. Pourquoi est-ce que chaque fois que tu viens dans, que tu viens me voir en stream, il y a toujours une meuf à moitié à poil qui arrive dans le jeu? Ah, le Noir 2 il est cool, il est sympa. Ah, Inoshima Junko bien sûr ici, donc on va envoyer Gawain bien sûr. Niveau 46 les dresseurs ici, ouais, on a un peu de retard à l'XP, donc on va essayer de pixer un petit peu. Effectivement. 3000 points d'XP pour Yongifei, waouh. Junko versus Excalibur Galatine. C'est un peu ça. Alors bon, du coup, est-ce qu'on attrape un truc ici? Est-ce qu'on peut capturer un petit Pokémon là? Ça va être un de tes parents dès que j'entre, c'est au moment où il y a une scène tendancieuse, c'est ça. Quoi? Tu es un dresseur? Remoraid, à moi! Into Kyogre. Putain, il a changé, Remoraid, hein, vache. Oh! Mordred! C'est Mordred! On l'a retrouvé! J'ai pas attaque glace, j'ai pas attaque dragon, donc ça sera à la main. Y'a pas genre un truc genre l'insecte qui fonctionne... Insecte, ça fonctionne pas contre dragon par hasard. Dites-moi, genre, comme ça au pif. Y'a vraiment que glace et dragon qui fonctionnent contre elle hein. Putain bon allez. Dresseurs sont plus aimés. Dragon glace seulement putain. Vas-y éclate rock. Piché plus tard, ouais bah là. Ah d'accord. Bon bah Bibi, let's go. Allez bah rayon signal hein. C'est vrai que je peux faire distorsion maintenant, c'est vrai. Oh c'est pas mal ça aussi. Yang il fait 32. Ça arrive. Spoink. Bah c'est très bien ça. À l'époque les gens disaient mais c'est moche on voit des gros pixels. Bah non il est très beau ce jeu. On vient de faire l'aquatube là juste avant là, le passage sous l'eau. Très joli. Très joli. Voici un Pokémon à attraper dans cette zone s'il vous plaît. Parce que là depuis tout à l'heure on se balade mais on y a rien. J'ai été entraîné par Amana, le champion d'arène de Papeloa. T'as dit, je vois des cocotiers en bas, donc si ça se trouve, il y a quand même des herbes hautes. Voilà, Rhinastock. Ah! Ah, j'aimerais bien avoir de l'eau sur moi, là. Bon, il est... Non, Papillon, non, c'est mort. Non, lui, il est nul à chier, j'en vois pas le Papillon. Il est roche, j'imagine. Gilgamesh serait une option, mais je pense qu'il est trop faible, parce que vraiment, regarde-moi sa défense de 27. Roche-sol, putain, pourquoi j'ai pas de plantes? Pourquoi j'ai pas de... Pourquoi j'ai pas de d'eau, là, à part Fionn de merde, là. Roche-sol, c'est-à-dire que Gawain va prendre cher, c'est-à-dire que Carmilla va prendre cher, c'est-à-dire que Bibi. Attends, t'es Bibi, hein. Vous doutez de Bibi? Comment osez-vous douter de Bibi? Sans déconner.
Vous vous souvenez, vous pensez peut-être que Bibi n'a que des attaques électriques sous la botte, c'est ça? Vous ne savez pas ce que... vous savez pas comment ça marche ici. Verrouillage, c'est quoi ça? Verrouille l'ennemi pour ne pas la rater au tour suivant. Bon, j'ai pas trop besoin, hein, parce que coup de jeu s'attaque tout le temps. Non, j'en ai pas besoin, je pense. Gens de peu de foi. Non, parce que c'est un Pokémon virtuel. Non, c'est un Pokémon virtuel, et en fait, il y a un personnage qui est un bug dans la matrice qui s'appelle Bibi, c'est pour ça. Et comme l'année dernière, moi, le gimmick, c'est que je nomme tous les Pokémon que j'ai en personnage de Fate. Ça aurait pu, hein, y a plein de références. Hein. Enfin, y a plein de... Ça aurait pu aussi, tout à fait. C'est plus ce que je dis, moi. Bon, allez, chauffez-moi un Pokémon, là. Ah, voilà, allez. Un tritonde pour l'autre de tout à l'heure. Yes. Yes. On chope ce tritonde, on retourne à Janusia et on va voir le fanat de tritonde et on se finit sur un concert de tritonde. Un type haut en plus, j'en ai grave besoin. Allez, rapid ball, tritonde, direct. La rapid ball, c'est craqué, hein, vraiment. Trouvez-moi un nom pour ce tritonde femelle. Et après, on va finir ce stream, je pense, sur, du coup, un concert de tritonde. Kim Protea. Let's go. Pokémon Tétard. Il fait vibrer ses joues pour émettre des sons inaudibles pour les humains et alerter ses semblables des dangers. Est-ce que pour la blague, on peut l'appeler Kim Protea? Effectivement. Le truc est minuscule, Kim Protea, est gigantesque. Elisabeth, plutôt, ouais. Ça évolue comment, Tritonde? Ça devient quoi, ensuite? Et si on n'a pas un servant poisson dans FGO? Un servant lié à l'eau. On a Fionn, ouais, mais bon, c'est un mec. Pas grand monde, hein? Goura! Ça aurait pu être Goura, mais non. Non, bah écoutez, c'est crapuscule. Est-ce qu'on a vraiment envie d'appeler King Protea un crapuscule? Kiara Summer. Alors, on avait déjà Kiara, c'est un coquillasse. Parce que Summer, justement. Donc déjà pris. Pour la blague, on peut l'appeler King Protea en vrai. Pour la blague. Le truc qui n'a rien à voir, en fait. Et crapustule. Sinon, on peut l'appeler Shuten Doji. Parce que crapustule, machin, c'est du poison. Et ou lambda. Ah, Melt Lambda. Meltridis. Ouais. Allez, partons là-dessus. C'est un Pokémon lié à l'eau. Vas-y. Par contre, faudra me rappeler comment ça s'écrit exactement. Melt. Et... ça rentre, oui. Oui, je l'ai pas appelé lambda, mais bon, ça compte, hein. Ça passe. Ok, faire un peu... à quoi ça ressemble, tout ça. Ruinon Noir d'Or, des aimes les plus cool, et du coup aussi le plus... roule 34, c'est tout à fait. Pourquoi penses-tu que je l'ai... Je vais pas le savoir. On va passer d'un perso classe à un crapaud, je te jure. Alors, fais voir un peu ses stats, là. Ah merde, mais non, Janusia, du coup, tout est fermé, du coup. Ah, le con. Ah ben non, tout est gelé, du coup, je peux pas. Du coup, le concert est pas possible, là. Bon, on fait voir déjà les stats, au moins, juste pour voir. Alors. Sérieux, il s'est encaissé les coups, il a pas d'objet, très bien. Alors, augmente la vitesse du Pokémon s'il pleut... Et ben c'est une chips. Cool. Bon, niveau 35 ça va évoluer, mais j'ai l'impression que ça va être une espèce de chips encore, hein. Bonne vitesse cela dit cependant. Alors bois, ça c'est cool. Eau croupie, danse pluie, fléau. Il a 88 PV, mais putain.
3 fins sur 3, c'est vrai. Il évolue. Pardon, il est niveau combien celui-là? En OBS, parce qu'il a 95, c'est pas mal, hein. C'est de l'attaque SP. Ok, ok. Au croupi, peut faire des dégâts quand même. 25 plus 36. Ah ouais, donc on peut y arriver. Mais le problème, c'est que du coup, si je le fais évoluer, j'ai plus accès au concert de Tritonde, du coup. Donc c'est con. Donc faut pas, en fait. Faut que je peux pas m'en servir tant que j'ai pas avancé dans le scénario et que Janusia est pas débloquée. Du coup, en fait. C'est un peu terrible ça ce qui se passe, mais c'est comme ça. Hein. Je vais pas pouvoir l'utiliser pour l'instant. Tant que j'ai pas le concert de Triton, c'est mort. Hein. Attends, mais vraiment, je peux pas accéder à sa baraque là, au mec là? Bah non, tout est gelé, hein, vraiment. Ouais, non, c'est fermé de partout, putain, quel enfer. Bon, bah c'est pas grave, hein. Ouais, mais flemme. C'est pas drôle. Bah du coup tant pis, on va retourner là où on était, et puis on va farmer un peu pour finir. Donc on était où? On était à Papeloa. Ouais, mais c'est pas drôle. Je préfère pexer mes Pokémon que j'ai envie de pexer pour le coup. Ok, il est 23h17, bon écoutez, on va farmer pendant un petit quart d'heure là dans l'eau, et puis voilà quoi. Ah bah tiens, Baby Manta. Pour le démanta de l'autre de l'autre d'avant là. Go Bibi. Go Bibi, go Bibi, go. Hein, c'est quoi ça? Pas compris. Ça dégage. Ah parce que du coup, tant qu'à faire, quitte à pexer c'est un truc, autant que je pexe Yanglifei du coup plutôt. Bah oui. Après j'attaque à eux, d'accord. Oh bah ça t'es censé pouvoir le gérer ça. Yanglifei, t'es censé pouvoir le gérer ça quand même. Voilà, merci. Voilà, c'est bien. Ok, donc il y a un monde où il y a des sacs de nœuds que je peux farmer ici. Oh super. Super. Ça peut se farmer, c'est génial. Ah, cordon, chais! Et bam! Dommage. Prends-moi un PV, merci. Let's go. Ah! Début calme. Il est pas très motivé. Ok. C'est un roche, lui, hein, c'est ça? Écrase-le. Je pense que oui, mais il a un talent soit un régicide. Ouais. Ah, j'adore ça, hein. Normal, ça me va. Qu'est-ce que ça? Onde folie, putain. Je vais me faire casser la gueule par onde folie, tu veux d'avoir. Non, c'est bon. Divise son attaque sa vitesse par deux, d'accord. Évidemment. Let's go! Écoutez, si je peux farmer le Régigigas, moi je dis pas non, hein. Ouais. Ya, j'affine la technique de mes coups de poing face à la mer! Allez, à ton tour! Parce que ça donne pas mal d'XP en finale, hein, ouais, donc. Manafi! C'est psy ça encore cette merde, je sens. Bah, et Bibi de toute façon. C'est haut, raté, c'était l'autre. Ok, bah écoute, Bibi quand même. A chaque fois je me plante, hein. A chaque fois je me plante sur celui-là. Salut Jules, hello, j'espère que ça va bien. On sera en retard. Effectivement. Écoute. Bon, je vais sûrement me jinx là les 10 dernières minutes du stream. Et pour l'instant, nous avons eu un seul mort de la soirée. Donc ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Pas trop mal. Et on a capturé plein de nouveaux trucs. Ouais, et on a perdu Orion, effectivement. Bon, ça... Mais on a récupéré un truc pour le remplacer plus tard. Quelle immense étendue d'eau, c'est ça la mer. Bon, un Dimoray. Ok, bah ça c'est Gawain
Ah bah non, oui non, si c'est à 11 niveaux de différence, on va éviter, hein. Gawain, c'est bien. C'est ça la mer, t'as vu, hein. Allez, Excalibur, Galatine! Boum, ça dégage. 35, Yang Yifei, ok, ça monte, voir un peu. Plus d'attaque, plus de vitesse. Enfin, c'est de l'attaque speed dont on aurait besoin, mais. Ah non, Nitro Charge, c'est physique, ok, donc ça c'est bon. Bah, par contre, c'est une chips, hein, vraiment. Victini, on a dit que c'était. Je sais plus. J'ai vu tout à l'heure en plus. Ah oui, c'était un. J'ai cru que c'est. Oui, je crois que c'était un feu psy, c'est ça. Ah, c'est ça, je l'avais affronté en feu tout à l'heure. Ouais, c'est un psy, du coup, faut pas. Du coup, faut pas, oui. Du coup, si c'est un feu psy, Bibi. Ah bah non, y'a pas de points de chat pour devenir VIP. Mais non, pensez pas que vous avez déjà suffisamment de trucs pour dépenser vos points de chaîne ici, sans déconner. Attends, il y a attaque combat aussi. Incroyable. Ah oui, mais du coup, ce force, c'est vrai que ça. Il a victimisé, c'est tombé d'un mot. Ah attends, il peut one shot encore. Hein. Aïe aïe aïe. Okay, c'est bon. Bah oui, voilà, vous avez déjà suffisamment de trucs sur lesquels dépenser vos points ici. Il n'y a pas besoin en plus de vous faire devenir VIP. Puis devenir VIP, ça sert à quoi en plus? Ça sert à rien. Voilà. VIP, je garde ça pour les copains. Ah oh, putain. Quel enfer. Hop là. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, bah il y a une grotte. C'est-à-dire encore un truc à la regarder. Enfin, à capturer. En mer, on dépose énergie phénoménale. Est-ce que ton équipe va bien? Mes copains de la vie réelle véritable. Genre, ceux que j'ai croisés en vrai, et voilà quoi. En vrai, ça sert à rien, bien sûr. Ah! Ah ouais, mais ça enchaîne ici, dites-moi. Deoxys qui met la pression, bah Bibi. Hein. Non! Non, saloperie, non! Ah, je le déteste! Non! Désolé, Kiwi! Désolé! Non! Putain! Ah, je te déteste, Deoxys! Le méchant! Oui! Réel! Putain, saloperie quoi! Et en plus, il se soigne cet enfoiré! Vas-y, c'était mon MVP de l'année dernière! C'est honteux! Je te jure! Ah, tu t'es soigné, tu sais quoi, moi aussi, allez hop! Ah, je suis dégoûté! Mon MVP de l'année dernière, putain! Nique toi! Ouais, bah cool, 46, mais bon. Terrible, terrible, bon. Ah bah ouais, maintenant tu me soignes. Bon. On va quand même rentrer là-dedans, hein. Grotte littorale, on a pas encore capturé qui que ce soit dedans, je crois. Parce que je crois que l'entrée nous était fermée de l'autre côté. Je crois, il me semble. J'ai peur de dire des conneries, mais j'ai envie de dire que oui. C'est une nouvelle zone, je crois. Je vais juste capturer le Pokémon qui va remplacer... Oui, du coup, vous avez gagné le prix, oui, il faut que je vous donne vos points. Je vais pas explorer la grotte aujourd'hui. Je vais juste, voilà, essayer de récupérer le Pokémon. Ah non. C'est pas le Pokémon, ça. Ok, on attrape quoi aussi, du coup, ici? Moi et les Pokémon insectes, apparemment. Hein. Bon, Mimigal. Ah, bah non, mais non, pas Yang Yifei, du coup, merde. Oui, du coup, non. Ouais, you know what? Ça se capture vite. Bon, allez, trouvez-moi un nom pour Mimigal. Mimigal femelle, un araignée. Qu'est-ce qu'on a comme servant araignée dans FGO?
Ils tissent une toile fine mais solide pour poser des pièges et se postent dans l'attente d'une proie. Mutazaki. J'ai pas la ref. Murasaki. Ah, Murasaki. Oui, bah, effectivement. J'ai ça du coup. Ça aurait pu, mais bon. Ah. Mais Murasaki, effectivement, il y a une araignée dans son NP, donc bon. Let's go là-dessus. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Oh merde, non, j'aurais dû appeler Shikibu du coup, couillon. Bon, c'est pas grave. Le nom, le prénom, tout ça. Bon bah, on y retourne, hein. Ravi de t'avoir connu, Yanggi Fei. Ravi de t'avoir revu du coup, hein. Donc plus qu'à récupérer Mordred et on est bon, hein. Et à le faire instant mourir comme ça. Oui, non, mais ça rentre pas, ça. Ok, bon, bah écoutez, let's go, hein. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors déjà, fais voir un peu. Et fier de sa puissance. Insecte poison, je vais jamais m'en servir. Oh la défense de merde. Oh, mais de toute façon, Kiwi, c'était déjà prévu, il me semblait. Donc au final, est-ce vraiment une vengeance? Oh, la défense de merde. Oh, je vais jamais me servir de ce Pokémon, je crois. Hein. Empêche de dormir, cela dit. Combo griffe, Kuba, toile et hâte. Ouais, évolue au niveau 22. Ouais. Bah écoute, on va le prendre pour le faire évoluer, mais bon, c'est tout ce qu'il va gagner, quoi. Hein. Je suis dégoûté pour ça, sans déconner. Donc je rappelle, hein, Kyrio, si tu, voilà, tu nous rejoins. Toute la les trois lignes en bas, là, c'est tous les morts depuis le début de l'aventure. Voilà. Donc on a un paquet, y compris un bon Ereshiram et un bon Palkia, qui nous ont bien carré tout le long. Mais ils sont morts, comme des caca. Il y a aussi, du coup, au-dessus, c'est les Pokémon de réserve. Ceux que j'ai encore accès, qui sont pas encore morts. Et il y a lui, qui est juste un Pokémon qui était donné par le scénario. Donc je considère que je l'ai pas vraiment que je peux pas vraiment utiliser. Donc voilà ce que ça donne un peu. Il y a la liste des morts dans l'overlay. Oh. Ah bon? Possible, ça? Oh, c'est stylé. Mais après, la liste des morts dans l'overlay, j'aurais pas fini, quoi. Et ça à la main. Ah oui, ok, d'accord, ok, ok. Limite avoir la liste de l'équipe dans l'overlay, ça peut être sympa, mais liste des morts, bon. Ouais, on va filer le multi-exp à l'autre là. Aïe aïe aïe. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est sur cette terrible désillusion, cette terrible défaite qu'on va devoir s'arrêter là pour ce soir. Attends, sauf pour avoir la liste de l'équipe. Ah. Bon, je vais pas le faire pour aujourd'hui, pour ce jeu, pour maintenant, parce que bon, enfin bon, on est déjà presque à la fin du jeu, donc c'est pas la peine. Mais pour l'année prochaine, c'est bon à savoir. Ok, bon, bah voilà, mesdames et messieurs, nous allons s'arrêter là pour ce soir, effectivement. Bon bah c'est con hein, ça a commencé bien et là sur la fin juste c'est parti en couille comme d'habitude. Du coup bah alors félicitations. Eh, n'empêche, heureusement pour les 4 personnes qui ont voté sur Shay, parce que comme personne n'avait voté pour non, si c'était non qui avait gagné, vous aurez juste perdu vos points. Donc là vous allez juste les regagner sans aucun gain en fait. Enfin vous allez juste les récupérer sans rien gagner à la place, mais... Attention, hein. Attention. À une demi-heure près, même à un quart d'heure près, vous perdiez vos points. Attention, hein. Voilà. L'année prochaine, tu comptes faire sur quoi la 6G? Bah, on m'a dit de faire Rosa, qui était pas mal, donc je vais probablement passer sur Rosa, ouais. Je vais essayer de les faire dans l'ordre, je pense. Mais oui, à un moment donné, je voudrais passer sur la 6G, parce que... c'est quoi? C'est Soleil et Lune que j'ai très... C'est 6G, Soleil et Lune, je crois, je sais plus. En tout cas, Soleil et Lune, j'ai envie de les faire, parce que les Pokémon d'Alola, j'ai envie de voir comment ça fait.
6G chez XY, ah, merde. Bon bah faudra que je fasse une XY aussi. Mais c'est à 7G, j'ai hâte parce que Alola, trop hâte de tester, jamais fait encore. Donc hâte. Mais ouais, non, je vais essayer de les faire dans l'ordre du coup. XY est cool, bah je connais pas, donc on verra bien. Mais oui, je le ferai. On va faire ça une fois tous les ans, voilà, tous les ans on va faire une génération de plus, ça va être marrant. J'en avais un qui a fait sur Ultra Lune, c'était bien débile. Rosa et 6G aussi. D'accord, ok. Ah, ok. Donc faudra que je décide, soit je fais XY, soit je fais Rosa, quoi. D'accord. Très déçu de Soleil et Lune. Oh, dommage. Dommage. Non, mais moi, c'est les Pokémon de la forme d'Alola, quoi. Après, c'est le... Enfin, je sais pas. Faudra voir. Voilà. En plus, c'est 3DS, je crois, la 7G. Donc, à partir de là, faudra avoir changé d'émulateur encore. RPM. Ok, bon. Rosa, je le trouve moins bien que les originaux. Ok. 3DS, même la 6G. Putain, ça va falloir trouver un nouvel émulateur d'ici là. Merde. Et un nouveau truc. Je sais pas si le soft pour randomiser il fonctionne aussi sur les ROM 3DS. Bon, faut que je regarde de toute façon. Citra, ok, merci. De toute façon, j'aurai le temps d'y réfléchir d'ici l'année prochaine. Il n'y a pas de souci, évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs. Alors, donc, du coup, comme je disais, je sais pas trop si demain stream pool FGO en cosplay Sherlock Holmes. Je sais pas trop si c'est demain ou pas. Donc, dans le doute, je préfère rien annoncer. Au pire, ce sera une surprise. Voilà. Ça va dépendre surtout de à quel point j'ai la flemme quand je vais rentrer du boulot demain. Mais si je peux, j'aimerais bien le faire demain quand même. Et sinon, du coup, le prochain stream, ce sera normalement du coup dimanche pour le tournoi Smash Bros. Ce sera commu sur de Discord. Donc, évidemment, ça va être rigolo. Je vais me faire défoncer tour 1 et tour 2. Donc, ça va être cool. Sinon, je pense que je referai un peu de farm de mon côté là sur si j'ai le temps, j'aurai pas le temps, mais si j'ai le temps, j'essaierai d'en faire un peu de farm de mon côté sur Pokémon pour essayer de monter un peu le retard à l'XP qu'on a sur cette zone. Et puis voilà, simplement. Team Layton ou Team Saturni? Team Saturni, puisque Layton, j'y ai joué à un jeu et j'ai drop à la 3ème énigme. Voilà. Donc team... Mais en vrai, team n'en gagneront pas, bien sûr. Et Tales of, du coup, bah, on fera ça la semaine prochaine, du coup. On reprendra ça la semaine prochaine. Ouais, non, mais j'étais jeune et con à l'époque. Je pense que maintenant, si je fais Layton, je vais peut-être mieux m'en sortir, mais à l'époque, j'étais vraiment... J'étais jeune et con, donc voilà. J'avais pas... De toute façon, vous savez très bien... J'arrive même pas à mettre à jour un planning pour le jour même. Donc, tu sais, moi, l'intelligence, ça fait 3, hein, clairement. Team Crossover, les Tom et Saturni, bah, ça, c'est la réponse de la Suisse, ça. Je le reconnais, ça, c'est la Suisse. Il paraît qu'il est bien. Enfin, je sais même pas, on voit s'il est bien ou pas. J'en sais rien, j'ai aucune idée. Aïe. De toute façon, me demandez pas de les faire, j'aurais pas le temps de les faire. Voilà. Allez voir Antoine Daniel, il est en train de les faire, les Tom, là. Mais moi, j'aurais pas le temps. C'est mort. Voilà. Bref, je vous dis de passer, enfin je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis peut-être à demain, sinon à dimanche. Voilà. Bye bye.